Bon, allez, sans plus attendre. Clic, clic, clic. Ah, peut-être pas. Qu'est-ce qu'il me fait? Alors, comment on fait ça déjà? Comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Hop, allez. Bonsoir à tous. Nous sommes vendredi 25 août. C'est la rentrée. Ah, après une petite semaine de vacances et du coup la semaine d'après, tranquillos, à reprendre le travail qui était déjà bien fort pour un mois d'août et qui est revenu à peu près aussi balèze. On se demandait quand est-ce qu'on est censé être en vacances, mais... Pas brouille, c'est comme ça. Ah, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, comment dire... Officiellement en vacances depuis le midi. Pendant combien de temps? Histoire de... Oh, pas un mois et demi. Oh, bah ça va, une petite semaine. Est-ce que ça va être semaine marathon comme Adrien a l'habitude de les faire ou... Adrien, c'était le mec, à chaque fois, il prenait une semaine de vacances et quand il rentrait, il était éclaté. À chaque fois, il était crevé parce qu'il passait une semaine à courir partout où il allait. Terrible pour ça. Une semaine à la cool. Ah, un retour sur Lyon. Okay. Un peu comme moi quand je vais en Bretagne, quoi. Passage dans la petite famille. Ah, moi ça va, c'était sympa. J'ai un petit peu. J'ai réussi à bronzer un peu. J'ai la marque des lunettes, alors je sais pas trop si ça va se voir à la caméra, mais voilà, je. Dès que je mettais mon nez à l'extérieur, il fallait que j'aie des lunettes, donc il fallait que j'aie mes lunettes de soleil. Et évidemment. Oui, pas des masses, non, ça me surprend pas. De toute façon, déjà, la première sortie, c'est pas bronzer que j'ai fait, c'est rougir, comme d'habitude. Avec bobo sur le crâne, parce que plus ça va, moins il y a de cheveux. Mais, bon. On fait avec. Ouais, ça, mais ça a pas duré longtemps, donc c'était pas énervé. En même temps, j'ai, c'était, le cadre était particulier, comment dire. C'était en Belgique, un resto terrasse où on avait une vue sur la vallée de la Meuse, mais magnifique. Et on est arrivé, c'était un peu, il y avait un peu de brume grisonnant, etc. Et puis le soleil a commencé à pointer le bout de son nez à un moment donné. Donc forcément, assis sans bouger, j'ai cuit gentiment. Mais bon, le resto était... D'ailleurs, j'ai pris 6 kilos là pendant les vacances. Bon, on a un peu trop bien mangé. D'habitude, c'est l'hiver, hein, à force d'enchaîner la raclette, mais là... Enfin bon voilà. Du coup ce soir bon bah, ça va être un peu, ça va peut-être être très feignant. On va pas se mentir, on va surtout revenir un peu sur ce qui est sorti et sur ce qui s'est passé. Et des trucs que j'ai vu passer qui feront peut-être partie du programme dans le futur parce que ça peut être intéressant. On s'en fera une raclette cet hiver. Ah bah oui, il va falloir même qu'on se prévoie ça avant cet hiver. Déjà parce que j'en ai pas eu là au mois d'août et du coup je suis en manque. Mais c'est surtout que je oh, quoi que non. Non là c'est jusqu'au mois d'octobre seulement où je suis blindé. Hein. Mais non après c'est vrai que plus tard dans la reviens au bureau sans... Oui bah maintenant qu'ils ont ouvert le métro ça va être faisable. Ah, il faut, ça fait longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps, mais en ce moment, les vitesses. Les vitesses. Les journées passent tellement vite que. On voit pas le temps passer. On voit pas le temps passer. Bon, du coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines? On a eu Kubernetes 1.28 qui est sorti. J'ai pas eu le temps de parcourir tout, donc je pense que ça va se faire. On va regarder ça comme d'habitude avant que je bascule. Je vais changer le zoom tout de suite. Hop, 133. Ouais, c'est ça.
Pouf, il me l'a mis en 133. Ah, du coup, clic, 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 clic. Alors, normalement, si j'ai pas raté mon coup, je clique sur desktop. Et. Ah, ouah! Voilà, ça a changé. Alors. Donc, évidemment, hein, Kubernetes. Même si on fera pas que ça, hein, dans le futur, il y en aura forcément. On s'est déjà fait un gros boulot dessus. On a même pas, j'ai même pas encore terminé de faire tout ce que je voulais. Drone que j'annonçais peut-être au programme ce soir en fait partie. Mais d'abord, Kubernetes lui-même, 1.28. J'ai pas vu. Alors, on a quoi? On a. Qu'est-ce que c'est? Supported SKU. SKU, c'est quoi? SKU, c'est le décalage, c'est ça? De ce que j'avais compris. Le décalage entre les nœuds. Symétrie, inclinaison. Oui, d'accord, ok. Donc c'est le décalage qu'on a entre les nœuds worker et les nœuds master. Donc ceux du contrôle plane et ceux qui travaillent. Donc manifestement, on a le droit de déplacer jusqu'à N-3. Donc vous pouvez avoir le master en 1.28 et les nœuds en 1.25, par exemple. Je pense qu'il pouvait pas le faire avant parce qu'il y avait beaucoup trop de choses qui devaient pas être fraîches pour que ce soit faisable. Et encore que même ça pourrait poser des problèmes. Mais bon, honnêtement, j'ai jamais eu plus d'une version de décalage entre les deux. Donc du coup, j'ai vraiment du mal à voir en quoi ça pourrait poser problème. Bon. Ça, on a quoi? Recovery from non-graceful not shutdown. Ok. Ouais, d'accord, redémarrage. On dit que maintenant le système de recovery est stable. Parce que c'était pas le cas avant, manifestement. Bon, pourquoi pas. J'avouerai que honnêtement, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu trop de soucis. Non, j'ai pas eu. J'ai vraiment pas eu de pépins avec. Pas eu de gros pépins. Bah typiquement là, quand on a fait la montée de version du cluster la dernière fois, là, quand le Raspi s'est éteint alors que je lui avais dit de rebooter. Hein. Du coup, lui, je l'avais pas mis à jour. Donc quand je l'ai rallumé, il s'est remis dans le truc, il était décalé, je l'ai remis à jour derrière. Là, je l'ai redémarré, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Bon, c'est surtout quand le. Ouais, d'accord. Surtout quand il redémarre pas. Enfin, quand il est claqué et qu'il faut le remettre d'aplomb. On va voir. Qu'est-ce qu'on a? Custom Resource Definition Validation Rule. D'accord, ça c'est sympa. Donc maintenant on peut faire valider les syntaxes de custom ressources directement par le control plane sans passer par un système de validation indépendant. Ouais, ça pourrait permettre de réduire un petit peu certains. D'accord. Et du coup, forcément, ça passe en bêta derrière. D'accord. Ok, je sais pas quand c'est arrivé ce truc-là, mais. En 1.25, d'accord. Ok. Ok, d'accord, donc ça c'est cool. Donc ça veut dire que le control plane peut gérer nativement beaucoup plus de cas d'usage. Plutôt que de dire j'envoie ma ressource custom et le webhook va dire ok, c'est tel contrôleur qui doit valider la syntaxe. Il va valider la syntaxe lui-même, ce qui fait qu'en interne, ça permet de réduire un petit peu le trafic et potentiellement la charge. Et si du coup, ça peut couvrir
toute la structure de la custom resource. Derrière, en fait, il n'y a plus besoin d'avoir de validation tout court. Donc ça permet de simplifier son propre programme, du coup, qui a plus besoin de... qui a plus besoin d'embarquer son propre mécanisme de validation. Bon, ma foi, hein. Si ça peut simplifier tout le boulot de tout le monde, pourquoi pas. Donc ça bute pas trop celui des développeurs de Kubernetes. Ah, c'est quoi? Beta support for enabling swap space. Ouh la vache. Alors ça, si ça, ça n'a pas été demandé depuis longtemps, et ça arrive en bêta maintenant. Waouh. Ok. D'accord. Pourquoi pas? Alors ça, pour ceux qui n'ont jamais hébergé leur ou installé leur Kubernetes eux-mêmes, historiquement, pour la gestion de la mémoire par l'orchestrateur, on demandait de supprimer le swap parce que ça causait de gros problèmes. Le swap, c'est ce qu'on appelle le fichier d'échange sous Windows. C'est un espace sur le disque qu'on réserve pour pouvoir décharger la mémoire vive quand elle est saturée. Bon, le problème, c'est qu'historiquement, le stockage est beaucoup plus lent que la mémoire vive. Donc, du coup, quand il commence à faire ça, vous avez un PC qui commence à... Oh, pardon. Il commence à ramer très très fort, voire friser complètement. Moi, ça m'est déjà arrivé où je me suis retrouvé avec un ordinateur qui répondait plus du tout. Même si quand on a un Kubernetes avec des bons et des applications avec des bons memory limits, ce genre de choses, le fait d'avoir un coup de swap, ce serait quand même bien. Ok, donc du coup on a quoi? Mix version proxy. Ouais. D'accord. Donc ça permet de mieux travailler, d'accord, d'avoir un... Ok. D'accord, donc ça permet d'améliorer un petit peu les réponses de l'API pendant une mise à jour quand les nœuds sont pas tous à la même version. D'accord. Ouais, ça va être surtout quand on a des objets qui passent d'API bêta qui passent en stable. Du coup, on peut avoir un décalage où pendant un certain temps, on a certains nœuds du control plane qui vont dire « Oui, oui, moi je connais le machin V1 » et l'autre qui va dire « Non, moi je connais que V1, bêta 1 ou V1, bêta 2 ou ce que vous voulez ». Et donc apparemment, ils ont introduit, d'accord, un mécanisme qui permet de calmer un peu de jeu là-dessus pendant qu'ils terminent la mise à jour. Donc, tant mieux. Ok. Ça, typiquement, ce genre de choses, c'est vrai. Encore une fois, c'est vraiment quand on l'héberge soi-même parce que au niveau des cloud providers, tout est tellement masqué qu'on voit rien et j'ai jamais vu de problème là-dessus. Surtout qu'en fait, la plupart du temps, les control plane des clusters Kubernetes de cloud provider sont eux-mêmes hébergés dans des clusters Kubernetes ou des mécanismes d'orchestration différents et conteneurisés. Donc en plus, des fois, on n'a même pas de redondance active ou ce genre de choses. Donc en vrai, on le voit jamais ce truc-là. Mais... Du coup, ok, là c'est quoi? Source code, réorganisation. Bon, ça c'est plutôt pour les contributeurs. Ensuite, on a quoi? CDI, qu'est-ce que c'est que ce CDI? Container Device Interface, non ça... Oui, Devices, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est pour Standards Way, Injecting Complex Devices into a Container. Donc ça, c'est typiquement le genre de truc qu'on commence à voir, notamment pour tout ce qui est contrat à durée indéterminée. Oui, ça marche aussi, mais pas là. Non, mais c'est pour typiquement quand vous avez
des charges de travail qui nécessitent d'utiliser des GPU pour tout ce qui est alors soit vous faites du traitement vidéo, soit vous faites l'IA, c'est à la mode, l'intelligence artificielle. Donc vous voulez exécuter des trucs dans du conteneur, dans du Kubernetes. Ah, celui-là, c'est avant le CDI, hein, c'est l'étape d'avant, ça. C'est avant le contrat, ça. Comment? Donc oui, c'est pas passer des devices, c'est quand on a vraiment besoin, voilà, de ce genre de périphériques. Alors, les cartes graphiques étant celui qui me vient en premier lieu, mais ça pourrait être autre chose de plus spécifique. Genre typiquement, si je voulais installer au hasard un truc qu'on verra peut-être aussi dans le futur, un home assistant pour commencer à faire un poêle de domotique, soit actif, soit passive, avoir ce que j'ai envie de faire avec, et que je voulais installer home assistant, par exemple dans mon cluster cube, si je veux qu'il soit branché à un composant Zigbee ou ce genre de choses qui serait branché sur un des Raspberry Pi. Bon, bah, il faudrait bien qu'il puisse accéder à ce périphérique-là, et donc les CDI servent à ça. Sauf qu'il faut un plugin. Ouais, après, ça n'empêche pas d'avoir un plugin en plus. C'est vrai que c'est ça. Mais j'avais commencé à regarder justement, savoir s'il y avait un plugin qui existe pour exposer des cartes graphiques Intel, et j'en ai pas vu. Non, c'est pas Intel que j'avais vu, c'était quoi? Je voulais voir si je pouvais exposer, bah, justement la carte graphique du Raspberry Pi dans Kubernetes. Et pour ça, il faut un plugin et je ne l'ai pas vu passer. Il ne doit pas exister, donc a priori, c'est pas faisable. Ce qui est con parce qu'on a un certain sens. Quoique, il n'y a que du décodage, je crois, sur le vidéocore. Il n'y a pas de l'encodage, donc on ne pourrait même pas s'en servir pour de la vidéo. Alors, typiquement, si on voulait tester au hasard un Peertube dans Kubernetes et que je voulais utiliser la carte graphique pour faire l'encodage au niveau matériel, je ne saurais pas le faire. Qu'est-ce qu'on a? API Awareness of Sidecar Container. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une restart policy pour les init container. Ouais. Et du coup. C'est vrai qu'on a la vraie déclaration des sidecars maintenant, qui ont un vrai statut de sidecar. Avant, historiquement, on appelait les sidecars containers, mais techniquement, ils avaient le même statut que les autres containers. Ils n'avaient pas de statut particulier. Typiquement, bah, tout ce qui est service mesh qui vont installer un proxy pour chaque application, va vous démarrer un second container dans votre pod. Et là maintenant, ils auront le vrai statut sidecar, ce qui permettra de leur avoir d'avoir leur vrai leurs propres caractéristiques qui pourront différer des conteneurs de la liste des conteneurs classiques. Ensuite, on a quoi? Pod replacement policy for jobs. For job? D'accord, ok. Ah oui, t'es en forme là ce soir. Hein. Alors juste le sidecar, c'est comme ouais, ça doit être pour les comme pour les motivations, oui. Comme pour les comment? Ah, pour les remorques, c'est en dessous des grosses remorques avec 750 kilos. On n'a pas forcément besoin d'un truc particulier, mais au-delà, il faut. On se rapproche quasiment du permis poids lourd. Enfin, il y a des trucs dédiés pour ça. Il n'y a que 6 mois, tu me mets dans un sidecar que du coup il atteint les 750 kilos et que du coup tu es obligé de le déclarer en préfecture. Mais enfin, surtout en ce moment, quoi. On a quoi? Job retry, back off limit per index. Comment ça, index? D'accord. Ouais. Ah, d'accord. Ok. Donc, si on a plusieurs. Ok, si on a plusieurs commandes dans un même job, on peut avoir du coup un retry par commande. Ah, ok. Bon, c'est alpha, hein, donc avant que ce soit utilisé vraiment, on va y aller mollo.
Et après, on a quoi? Ah oui, oh, bon, ça, c'est pas très grave. Dans la liste des suppressions, bon, ça, moi, j'avais vu ça. Comment? Je m'étais renseigné sur la suppression du code spécifique au disque, à la gestion des disques dans Google Cloud. Quand j'ai vu passer, c'était bah, dans les releases de Kubernetes 1.27 il y a 4 mois, du coup, qu'ils supprimaient le code d'Azure. J'ai dit, ah tiens, mais du coup, il se passe quoi pour GCP? Parce que j'avais raté un peu l'histoire. Et j'ai vu que ils avaient supprimé le code des disques pour en 1.25. Donc il restait que le code des migrations pour le Container Storage Interface, et là ils suppriment la migration. Donc ils se sont laissés 3 releases, c'est-à-dire 1 an. Donc bon, on peut considérer que normalement tout le monde a fait son travail comme il faut et qu'il n'y a plus besoin. On voit qu'ils suppriment. Ouh! Ouh, ouh. Ah oui, mais ça, c'est les branchements natifs à un cluster Ceph. D'accord, ok. Donc Ceph étant une techno de stockage distribuée, donc il y avait les connexions en FS et en RBD directement dans le code de Kubernetes. Donc là, ça continue. En fait, ils annoncent qu'à partir de maintenant, le code du plugin ne sera plus mis à jour et ils prévoient de le retirer. S'ils font comme pour GCE ou Azure, à mon avis, ça va durer 1 an. Et j'étais en train de penser à ça parce qu'en fait, vous avez en techno de stockage dans le cluster directement, vous avez un truc qui s'appelle Rook, qui est basé sur du Ceph justement. Donc ça déploie du Ceph à l'intérieur de Kubernetes. En fait, ça va utiliser votre stockage local pour le déclarer comme un élément du cluster de stockage. Donc ça va gérer le stockage, mais directement à l'intérieur, et ça va créer des volumes par-dessus ça. Moi, j'avais testé Longhorn, qui faisait un truc un peu similaire, mais qui faisait ça avec du ISCSI. Donc qui permet de faire du SCSI, qui est normalement un protocole d'accès en mode bloc, mais à travers le réseau. Et pareil, ça utilise le stockage local de votre nœud pour le déclarer en tant que volume qu'on peut découper à la demande, à l'intérieur de Kubernetes. Mais j'avais laissé tomber Longhorn parce que c'était beaucoup trop instable. Donc bon. Voilà. Ok. Et donc ouais, voilà. Donc ça c'est sorti pendant les vacances. Et du coup derrière, j'ai vu que bah, 4OS. Alors ils avaient commencé à bosser sur la 1.28.0. Ils l'ont même pas sorti en stable. Et là, ils ont déjà commencé à travailler sur la 1.28.1. Bon, bah voilà. Donc. Mais généralement, faut. Moi, je suis toujours partisan du. On laisse quelques sous-versions passer. Ah, typiquement, par exemple, le 1.26 qu'on a actuellement, c'est du 1.26.7. Donc, on en est déjà à la 7e release, 7e maintenance après la sortie de Kubernetes 1.26. Donc, je pense que. Ouais. Je pense que je vais. En gros, d'ici genre 1 mois, je vais passer à 1.27. Quand le 1.28 aura commencé à prendre de la bouteille. Puis. Ce genre de truc, on n'a pas forcément besoin d'être vraiment au top tout. Ouais, alors le truc, c'est qu'à un moment donné, si tout le monde se dit ça, il n'y a personne qui monte. Donc c'est un peu con. Non, le fait est que. Alors après, Quand on a plusieurs environnements, dont certains qui sont faits justement pour se faire les dents dessus, on peut se permettre de dire on va tester la mise à jour, machin, et tout ce qui est en production, ça attendra que ce soit vraiment fiable. Là, le problème, c'est que moi, j'en ai qu'un, donc même s'il n'y a rien de critique dessus, c'est toujours chiant de se dire on va mettre un truc en avant, et puis risque d'y avoir des soucis, donc. Et on a beau avoir les meilleures pratiques du monde, on n'est pas à l'abri de régressions, de problèmes qui passent à travers les différents tests des gars qui développent, etc. Parce que mine de rien, 4OS, c'est quand même une bonne compression de Kubernetes. Hein. C'est. Comme je dis, il y a 4 ou 5 composants à déployer pour avoir un Kubernetes soi. Là, le truc tient dans un seul binaire, c'est complètement starbé. Et ça expose tout ce que ça a besoin d'exposer pour bosser. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et ça tient sur un Raspi, alors que pour un Kubernetes de base, c'est 4 Go de RAM, voire 8 pour pouvoir bosser derrière.
Donc voilà, ça demande un peu de boulot quand même pour intégrer tout ça. Il suffit pas de copier-coller le code et de croiser les doigts pour que ça compile d'un coup. Il y a quand même un peu de boulot. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Je pense qu'il y a une soirée où on fera une soirée découverte des outillages, pas tout de suite, mais je suis tombé sur un petit projet qui s'appelle Terraform TUI. Donc ça permet d'avoir une espèce de mini-interface en mode texte pour Terraform. Même si pour l'instant on n'en a pas fait beaucoup du Terraform, c'est quelque chose que. Voilà. Ça se base sur du Python, mais ça demande du Python récent. Et plus récent que ce que j'ai actuellement dans mon environnement actuel. Et oui, très drôle, raté. Si je fais ça, voilà, c'est du Python 3.8 qui est fourni avec le Ubuntu 20.04. Et du coup, bah, typiquement. Alors, je sais pas trop. Il y a d'un côté. J'ai envie de voir comment mettre à jour ce truc-là et d'installer une version plus récente de Python 3. On le fera peut-être tout à l'heure directement. J'étais tombé sur une petite doc, voilà, il y a un PPA à rajouter, ça vous permet d'installer un Python plus récent, donc ça permettrait de le tester tout de suite rapidos. Mais le fait est que demain, si j'en crois Chronopost et en fonction de l'état dans lequel ça va arriver, je reçois les composants pour mon nouveau PC. Et du coup, fonction du calendrier, ouais. Ouais, c'était pas spécialement au programme de changer de PC, et puis le neveu de mon beau-frère a trouvé le moyen d'avoir son brevet, et donc du coup, en cadeau, il va avoir un PC, ce qui fait qu'il y a le PC de mon beau-frère, et du coup, mon beau-frère a besoin d'un PC. Et puis, du coup, je rachète un PC, comme ça, je lui refile mon PC. Il y a du. Voilà. Il y a du transfert de. Du transfert de puissance qui se fait. Là, je monte en gamme par rapport à ce que j'avais acheté la dernière fois. Ouais, bah, c'est surtout qu'en fait, en plus, bon, moi, le mien, bon an, mal an, à part deux fois les crashs à la con qui me sort là pendant que ce soit. Généralement, c'est toujours quand en vidéo, en lecture ou là, où je suis en encodage sur Twitch, où il vient crasher un écran bleu. Comment? Mais en dehors de ça, il est super stable, et mon ancien PC, donc celui que mon beau-frère a actuellement, bah, c'est celui que je m'étais fait. Alors, en grande partie, il y a des composants qui ont changé pour différentes raisons, mais le processeur, il a 11 ans. Et il est toujours solide. Et à l'époque, je me souviens, quand j'avais payé 300 balles le processeur, je trouvais que c'était complètement claqué. Là, le nouveau PC, le proso, il en coûte 500. Bon, voilà, hein. Comment? Mais du coup, il est encore assez solide pour jouer. La carte graphique, elle a changé. Parce que pour le coup, la carte graphique d'origine, elle était vraiment, vraiment vieille. C'était une GTX 560 Ti. On a fait du chemin depuis. Et en plus, elle avait pris un pion. Parce qu'en fait, le PC, il a pris la foudre en 2014. Il est resté 2 ans dans un coin parce que la carte mère était morte, la lime a été changée aussi. J'avais perdu une des deux barrettes de RAM. Enfin voilà. Il a fallu que je le remette d'aplomb. J'ai fait ça, oui, en 2016. Bah après avoir commencé à bosser chez Link-Bynet quand j'ai eu l'argent pour, en fait. Sur tout ça. Et racheter une carte mère d'occasion, parce que déjà en 2016, ça commençait à être compliqué d'acheter une carte mère pour un proso qui avait 5 ans. Et du coup, il est rock solide, il est toujours debout. Mon beau-frère a réussi à jouer à God of War dessus, ça a été un peu compliqué, mais il l'a quand même fini. Avec quelques bugs de chargement de texture, enfin, ce genre de choses, c'était vraiment limite pour le coup. Mais sur des jeux qui sont pas lourds, il s'en sort vraiment très bien. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on le mette à la retraite s'il peut encore servir. Pour le neveu, c'est une bécane qui est tout à fait capable. Techniquement, il a même. Alors, c'est un peu limite, je pense, en termes de puissance, mais il peut même faire du stream avec, hein, parce qu'il y a déjà l'encodage sur la carte graphique, qui est une GTX 970 OC.
Oh, je m'étais mis bien à l'époque quand même, faut pas. J'avais fait les bons choix, j'étais pas mécontent. Et là, je suis resté sur. J'ai fait le config-o-matic de Top Achat. Et du coup, j'ai acheté ça. Alors, tiens, il est pas passé en. Il est passé en 70%. D'accord, pourquoi pas. Voilà. Donc, le Prosso à 470 balles, la carte mère à 190, après pratiquement 200, la carte graphique. Mon Dieu, mon Dieu. C'est complètement aberrant, mais voilà. Et en plus, bah, du coup, il y avait un code promo qui s'appliquait hier pour avoir 5% de réduction, donc j'ai économisé 110 balles. Voilà. Donc j'en ai pour un petit peu plus de 2000 euros. Et là, je suis. Bon, là, je suis. Là, vraiment, je ne rechange pas dans 2 ans, faut pas déconner. En 4 en l'occurrence, mais. Normalement, je ne rechange pas dans 4 ans. Hein. J'ai plus qu'assez pour aller très loin avec ça. Je suis vraiment future-proof. À moins qu'il y ait un composant qui claque, hein, où je me décide à faire des trucs vraiment violents, genre je passe à 64 Go de RAM. Si tu sais pas quoi faire, les 100 euros, je peux aider. Alors, en fait, les 100 euros m'ont déjà resservi depuis. Pareil, aujourd'hui, j'ai craqué, parce qu'au début, mon beau-frère, parce que je garde mes stockages, donc en fait, je lui livre au départ le PC sans disque dur. Et il m'a dit, bah, c'est bon, moi j'ai mes deux SSD, j'en garde un, je lui laisse l'autre, et puis il fera ça avec. Je dis, oui, non, mais sur un PC comme celui que j'ai actuellement, tu vas pas rester sur un vieux SSD en SATA, t'es limité à 500 mégaoctets par seconde, le NVMe, on dépasse les 3 gigas, voire plus, 3 gigaoctets par seconde, hein, on parle quand même de débit assez énervé quand on veut faire des gros trucs. Ça aide beaucoup les chargements de PC, les temps de chargement dans les jeux. Et du coup, cet après-midi, en rediscutant, je dis, bon, j'ai vu passer un truc sur Twitter, j'ai vu ça, promo sur des Western Digital Black. Et c'était 100 euros les 2 Tera, donc. Craquage. Voilà. Craqué, craqué. Donc, au départ, je devais mettre ce SSD-là dans le nouveau PC, et puis au final, ce sera certainement le. Le Western Digital qui va passer. Enfin, du coup, je sais en fonction de comment ça va se passer en termes de délai, bah, dès la semaine prochaine, je serai normalement en stream sur le nouveau PC. Voilà. Donc. La lime en 150. Le boîtier à 200 balles. Ouais, mais ça, c'est. En même temps, le boîtier, j'ai dû prendre un truc assez grand pour être sûr de. Pour être sûr de gérer comme il faut. Du coup. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Ouais. Donc voilà, et du coup, qui dit nouveau PC, bah, dit, pour revenir au sujet de base, dit nouvelle installation pour l'environnement Linux, et du coup, ce sera potentiellement un Ubuntu plus récent, avec un Python plus récent, donc on n'aurait peut-être pas besoin de bricoler tant que ça. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Ça c'est quoi? Si Google nous a fait un petit truc, on peut faire des. C'est quoi ça? C'est des graphes dans des docs HTML? Ouais, je sais pas trop si ça, je vais on le fera en live. C'est surtout pour faire dans. C'est quoi? Tac tac tac, typogramme, editing file, pre-existing, fonction, fin de ski programme. Ouais. Ouais, bon, c'est surtout pour. D'accord. Ok. Alors, comment ça rend du coup ce truc-là? On va faire un test rapidos. Est-ce que là-dedans j'ai quelque chose? Non, j'ai rien. Et hop. Ah, on va faire un nouveau document texte. Hop. Oui, vas-y, vas-y. On va l'éditer. Ouais, toi, j'ai déjà essayé l'autre jour, ça marchait pas. Hop, on va juste rajouter HTML. Hop, slash HTML. Oh. Clac, puis on va faire ça. Il se passe quoi? Du coup, ça fait ça. D'accord. Ah oui, puis ça dessine vraiment par-dessus le.
par-dessus le texte. À copier, c'est dégueulasse, hein. Mais d'accord, ok, on a ça. Ça devient comme ça. D'accord, ouais. Bon. Non, après, ce qui va se passer, on a quoi? On a... Tiens, la dernière fois, Jérémy, qui doit pas être là ce soir, avait parlé de Plane pour de la... pour faire du... Comment? Pour faire de la gestion de projet open source, enfin, surtout sur le déploiement avec, voilà, du... pour suivre différents trucs, et on avait vu que potentiellement on pouvait se l'auto-héberger. C'est encore très très basique pour l'instant, parce qu'en gros, ça se base sur du Docker Compose, et c'est à peu près la seule chose qui propose vraiment. Parce qu'après, sinon, on peut le faire... comment? On peut le faire autrement, je pense. Mais bon, en gros, voilà, il y a quand même énormément de variables à 7, et puis en fait derrière c'est quand même voilà, c'est du Docker Compose. À voir si on essaye de transformer ça pour faire du Kubernetes ou pas, je sais pas encore. Honnêtement, c'est pas la grosse priorité, mais voilà, je voulais revenir dessus parce qu'on en avait déjà parlé. Et du coup, c'est sympa. Non, un truc que je vais rajouter sur. Je m'étais fait une liste où je voulais évoquer. Tac tac tac. Les systèmes que j'appelle de cloud personnel. Donc en gros, l'idée, c'est d'avoir un hébergement des principales applications qu'on pourrait utiliser au quotidien. Et plutôt que d'utiliser les services d'un Google, d'un Microsoft ou je ne sais quoi d'autre. Ou d'un autre, même si on a des offres un peu plus, on va dire, moins américaines, on va les appeler comme ça. Je sais que chez Infomania, il commence à avoir une galaxie de services qui s'approche de quelque chose d'intéressant. OVH, slash Shadow commence aussi, parce qu'il passe par Nextcloud, il commence à proposer des choses, voilà. On a toute la galaxie de chatons aussi. Les chatons, c'est le collectif d'hébergeurs associatifs, ou alternatifs, pardon. C'est quoi? Transparent, ouvert, neutre et solidaire. Voilà. Donc chatons. C'est beaucoup d'associations. Oui, aussi. Et j'adore, hein, le problème des chatons, c'est que ça reste pas chaton longtemps, mais... Chaton, collectif chaton. Voilà. Alternative, transparent, ouvert, neutre et solidaire. Ça va, j'ai bon. Parfait. Ouf. Donc voilà. Et donc l'idée, c'est de trouver. C'est beaucoup des associations. Où généralement, bah, du coup, vous devenez membre de l'association. Ça vous coûte un petit montant par mois. Il vous propose une série de services plus ou moins complètes. Donc la plupart du temps, ça se base sur des... Souvent, hein, vous allez retrouver la même chose, c'est-à-dire que derrière, ça va être un service Nextcloud qui est sur la liste et que je m'étais même mis à part parce que celui-là, je le vise plus spécifiquement pour moi, mais je voulais d'abord qu'on discute un petit peu toutes les options. Et en fait, donc du coup, pour revenir sur le sujet, ça je peux fermer. Je suis tombé là-dessus cette semaine. Un système qui s'appelle RunTipeee, qui est relativement récent. Pareil, basé sur du Docker. Et où les applis viennent préconfigurer et vous avez donc qui se targue d'avoir un truc comme 140 applications. Et du coup, voilà. Donc après, je ne sais pas si. Si tout ce que je. Tout ce qui m'intéresse sera dedans. Mais il y a. Voilà, il y a quand même. Il y a pas mal de choses. Je sais pas si. On voit qu'il y a du wiki, on voit que c'est duplicati, ça c'est pour de la sauvegarde. Ce qui est surprenant du coup de le voir installé comme ça, mais. Excalidro, il y a un site web. Alors après, on n'est pas forcément obligé de l'avoir chez soi. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez quand même.
Donc voilà, il y a du Forge Geo, je crois, je sais plus comment ça se prononce. Ça, c'est le fork de Giti. Voilà, bon, le Fresh RSS, ça j'ai déjà. Donc voilà, il y a bah, Giti est là aussi d'ailleurs. Tiens, hop. Gladisk, ok, d'accord. Donc ça, c'est censé être un équivalent open source à Google Assistant. Bon. Donc voilà, Grafana. Bref, il y a pas mal de. Ça déroule, voilà, il y a quand même pas mal de choses. Tiens, on est passé sur les. Il y a OnCloud qui est là, donc on peut l'installer via. Voilà. Et c'est quoi ça? OneDev, donc ça c'est du. Ok, d'accord, Git Server Kanban. Il y a du Plex qu'on peut déployer, du Portainer, mais bon, vu qu'on utilise déjà justement RunTipeee, on n'a pas forcément besoin de ça. Donc il y a pas mal de choses qui sont. Alors je sais pas, il y en a peut-être certaines qui seraient plus intéressantes que d'autres à voir apparaître là-dedans. Mais. Donc c'est quelque chose que je vais rajouter dans la liste, pas pour faire un comparatif. Merde. Qui sera quand même à regarder. Même si honnêtement, je serais plus moi partant pour. Bah Nextcloud est là, donc. Mais Nextcloud, vu que j'ai envie de le brancher directement sur mon stockage, je le garderai. Ah, oula. Calme, on va y arriver. C'est comme ça. Tada. Voilà. Que du coup dans Nextcloud on peut aussi installer des applis supplémentaires en tant que plugin qui vont permettre de travailler sur nos données. Cozy Cloud dans une certaine mesure permet de le faire aussi, même si j'ai cru comprendre, en tout cas j'ai vu passer ça il y a quelques temps. Apparemment il y a quand même pas mal d'intégrations dans Cozy Cloud qui ne fonctionnent plus parce que les différents services qui sont derrière ont tendance à fermer un peu l'accès aux données. Ce qui est casse-couille toujours. Donc voilà, puis CasaOS qui se présentait aussi comme une alternative à YuNoHost. En fait, Tipeee, YuNoHost et CasaOS, a priori, sont un peu plus proches dans la mentalité que Nextcloud ou Cozy Cloud. Cozy Cloud, ils sont complètement à part en termes de développement. Nextcloud aussi, mais Nextcloud, c'est une espèce de gros monolithe finalement où on vient rajouter des plugins encore par-dessus. Donc voilà. Mais dans Nextcloud, maintenant, il y a vraiment énormément de choses quand on ne se rend pas compte, mais. On a quand même pas mal de. On a quoi? Nextcloud, machin. Donc il y a la partie stockage, la partie il y a une partie calendrier, contact mail, qui est. Celle-là, elle m'intéresse beaucoup. Pas tant pour les mails. Les mails, j'en ai rien à foutre parce que je gère déjà mes boîtes mail avec Thunderbird. Mes calendars et contacts, j'ai envie de l'utiliser pour pouvoir synchroniser et éventuellement harmoniser les contacts et le calendrier que j'ai sur mon téléphone avec mon Thunderbird. Et du coup, bah, ça utilise des standards en termes de protocole et je voulais passer par Nextcloud justement pour ça. Mais derrière, Nextcloud, via les fichiers, permet aussi bah, de pouvoir partager de manière simple des fichiers avec d'autres personnes. Ce qui m'arrive parfois et. Le faire par mail, c'est chiant. Le faire par un service comme WeShare ou ce genre, enfin WeTransfer ou ce genre de choses, c'est un peu lourd. Mais comment? Mais voilà, donc Nextcloud est vraiment un gros morceau que j'ai envie de voir de près, de montrer un peu de près pour. Parce qu'en plus, ça pourrait potentiellement servir, pas que pour moi. Donc c'est aussi. L'idée, c'est de vérifier un peu dans quel contexte je vais l'installer. Est-ce que je vais. Je pense que pour le labo, je vais le tester sur une VM. Est-ce que je me l'installe dans le Kubernetes chez moi? Est-ce que je vais préférer plutôt sa disponibilité, donc du coup l'installer sur le serveur qui est chez Etzner? Si c'est sur le serveur Etzner, est-ce que je passe sur la nouvelle VM qui est en Rocky Linux 8 pour l'instant? Parce que celle-là, elle est en statut un peu bizarre pour l'instant. Elle est juste en IPv6. Tout est filtré. Il n'y a que la base de données dessus. C'est un peu chelou. J'ai pas terminé le travail sur ce nouvel environnement, donc du coup je sais pas encore trop si je vais le faire. Est-ce que je vais déployer une VM à part pour l'isoler complètement du reste de mes applications?
vu que ça va gérer des données que j'ai pas forcément envie de voir accessibles à d'autres applis, ce sera peut-être mieux. Donc voilà, il y a plein de questions à se poser sur le détail de ça, mais voilà, Nextcloud, c'est vraiment un... C'est vraiment... Alors, ils l'appellent Hub maintenant, bon, techniquement, c'est toujours le même truc. Et en étant tout seul, il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit pour se le faire. Donc ouais, ça peut... Voilà, et c'est très utilisé, du coup, par les chatons pour proposer les mêmes services. Parce que ça fait le boulot, en fait. Ça fait le boulot, c'est vraiment pas compliqué à installer. C'est vraiment pas compliqué à brancher sur un système d'authentification centralisé. Donc du coup, si vous voulez partager d'autres applications qui ne sont pas dans Nextcloud, bah, vous pouvez. Ce sera plus facile, parce que vous avez... Du coup, vous gérez le... Comment? Vous gérez vos comptes à part, et puis bah, vous branchez toutes vos applications dans Nextcloud. Donc c'est... Voilà. Et on n'a pas forcément besoin de payer pour tout ça. Bon, moi, je m'en fous un petit peu. J'ai pas besoin de brancher différentes applications dessus. Pour l'instant, j'en vois pas trop l'intérêt. On pourra le faire pour l'exercice, mais c'est pas la priorité. Ouais, c'est vraiment sympa comme logiciel, hein. Y a vraiment beaucoup de choses à voir. C'est pour ça que je pense que ça, je ferai pas forcément juste une installation... à la SBL sur le labo Proxmox ou même sur Kubernetes, parce que j'ai quand même envie d'avoir une certaine disponibilité que je garantis pas. Genre, typiquement, j'ai encore eu des problèmes cette semaine avec le NAS qui m'a fait des petits délires de latence au niveau NFS. Il a arrêté de répondre, donc du coup, j'avais les pods qui étaient en PLS. Le seul message d'erreur que j'ai vu sur le NAS, c'est un message d'erreur. J'ai trouvé ça dans une mailing list. A priori, ça aurait été normalement corrigé en 2015. Bon, pourquoi pas, mais... Donc c'est un petit peu... Voilà, je... Ouais, ça... Pour un truc que j'ai envie d'avoir accessible, pas 24/7, mais pas loin, c'est un petit peu compliqué de me dire que je vais le mettre sur mon Kubernetes maison, parce que j'ai tendance à vouloir le casser assez vite quand même, faut pas déconner. Du coup, voilà. Ça fera partie de... Alors par contre, le script d'installation de Tipeee, hein, c'est quand même assez affreux. Hein. C'est... Enfin bon, voilà. Plain, bah, c'est pareil. De toute façon, tout ça, c'est du Docker Compose. Ça, je peux fermer. De quoi je voulais parler? Oui, aussi. Pour ceux qui auraient pas reçu une notification, parce que forcément, tu vois pas. J'ai rattrapé toutes les VOD sur YouTube. Donc, vous avez maintenant. Hop. Vous avez tous les derniers lives. Voilà, j'ai tout. Je me suis arraché à tout faire cette semaine. Sachant que, ouais, il a fallu. Je me suis fait toutes les commandes. Alors, je crois que c'est quoi? C'est celle-là. 41, je sais plus. Voilà. Je me suis trouvé comment faire la concaténation sans recompresser quoi que ce soit en ligne de commande. Donc je me suis amusé à... Donc ça, c'est la commande pour augmenter le volume de l'audio, parce que quand vous uploadez sur YouTube, il vous baisse le volume. Alors déjà que je sais que certains d'entre vous se plaignent que là, actuellement, sur mobile, le volume est pas fort. Honnêtement, je sais pas trop pour l'instant comment corriger ça, parce que je suis déjà au max du volume du micro. Si j'augmente le gain, ça va saturer, ça va être dégueu. Je suis au max dans OBS, donc je peux pas faire beau le... Après, j'ai mis un limiteur, donc je peux pas dépasser un certain seuil, mais on parle de 5 décibels du max, quoi. Donc je sais pas trop comment faire. Qu'est-ce que je voulais dire, du coup? Ouais, donc voilà, donc j'ai rattrapé tout, c'est-à-dire que j'ai fusionné donc les deux lives où on était où j'ai trouvé le moyen de crasher en cours de route. Sachant que celui où j'ai crashé deux fois dans la même soirée, il n'y a pas de conclusion, j'ai pas fait de montage plus que ça. Hein.
J'ai poussé. Voilà. Comme je me suis penché un petit peu sur la chaîne, j'ai vu que je pouvais changer de nom. Donc du coup, le vrai nom s'affiche. J'ai pas encore. A priori, je peux changer ça aussi. Je sais pas encore si. Il faudra que je regarde si s'il y a. Parce que je risque de péter des liens, du coup. Donc faut que j'identifie partout où j'avais mis des liens. Donc ça va être sur le blog, ça va être sur Twitter, Blue Sky, Mastodon, etc. Faut que j'identifie où se trouvent les liens et même Twitch d'ailleurs. Et mettre à jour un peu partout. Donc ça, je verrai plus tard. Mais voilà, sachant que Dieu bénisse la fibre. Hein. Et encore, je suis qu'à 300 mégabits seconde et ça devait pas être à fond, mais parce que pour envoyer tout ça à la vitesse où je l'ai envoyé, le réencodage par YouTube pour le Full HD a pris plus de temps que l'envoi. L'envoi, ça devait être genre 30 minutes pour 2 heures de vidéo. Un truc comme ça. Et après, derrière, bah, ils refont les traitements entre deux. Ça prend 40 minutes pour vous faire du ce qu'ils appellent du SD. Donc, ça va traiter jusqu'au 720p. Et puis après, bon, là, c'est du 1080p. Donc, quand on envoie le 1080p, il se fait chier à réencoder le 1080p alors qu'il reste en 1080p derrière. Je sais même pas pourquoi il se fait pas. Il s'emmerde pas. Ah, si, je sais pourquoi, je dis des conneries. C'est parce que YouTube fait du. C'est quoi? C'est Dash, HLS, un des deux. C'est le même principe. L'idée, c'est de faire du. C'est de faire de la vidéo sur HTTP avec un système qui permet de gérer dynamiquement le débit. Donc de baisser la qualité si jamais le débit baisse. Enfin, là, ce genre de choses. Il y a. Comment? Et donc pour ça, il a besoin, en fait, ce qu'il fait, c'est que la vidéo, il la prend pas en brut, il la découpe en plein de petites sections, et ça pour chaque qualité. Donc on se rend pas compte, mais hein, sachant qu'en plus, il propose en plusieurs versions, c'est-à-dire qu'il propose en plusieurs codecs, il propose du H264, du VP9, je crois qu'il y a du H200. Ouais, c'est une infrastructure qui est monstrueuse, hein, YouTube, c'est assez impressionnant. Il donne pas trop de détails, mais en fait, quand on y pense, c'est quand même assez furieux parce que derrière, donc on leur envoie une vidéo. Ils la mettent en plusieurs résolutions, et chaque résolution, elle est en plusieurs codecs. Et pour chaque codec, en fait, chaque fichier, entre guillemets, de résolution, il est découpé en plusieurs morceaux pour qu'il puisse basculer d'une qualité à l'autre en l'espace de très peu de temps. Pour que la vidéo coupe pas pendant qu'on la regarde. Et du coup, ça demande donc déjà une quantité de stockage complètement starbée. Et du coup, bah, l'encodage prend du temps. Donc c'est pour ça que même quand on envoie un fichier brut, entre guillemets, en Full HD, bah, il réencode parce qu'il doit pouvoir gérer les blocs comme ça. Et que c'est plus simple de le faire comme ça que de repasser sur le fichier brut et de se dire que je vais prendre tel timecode. Parce que le problème, c'est que c'est pas à partir d'un fichier brut qu'on connaît à quel octet on doit envoyer à l'utilisateur, à partir de quel octet on doit envoyer depuis d'un fichier à un autre, pour que ça colle en termes de. Et que ça cause pas de bug, comme si on avait une erreur de montage, par exemple. Une espèce de cut comme ça, débile en plein milieu. Si on veut que la vidéo reste fluide tout en changeant de. Comment? Tout en changeant de résolution, de qualité, etc. Donc on a mieux fait de dire on va prendre des fichiers qui font une durée fixe de toute façon, et comme ça on bascule entre chaque fichier au fur et à mesure. Et après, bah, c'est au niveau du navigateur, au niveau du lecteur, que ça doit se faire de manière transparente. Donc je crois que les blocs font genre 2, 3, 4, genre 5 secondes maximum, un truc comme ça. Mais après, alors, dans une moindre mesure, Netflix fait la même chose. Enfin, toutes les plateformes un peu avancées qui font de la vidéo à la demande comme ça, ou même en live, hein, même en live, il y a moyen. Bon, là, moi, je suis un trop petit, donc sur Twitch, de toute façon, il n'y a qu'une seule qualité, je crois. Si je dis pas de conneries, c'est 1080p ou source, mais le source, c'est qualité, j'ai quoi? Ah non, il propose aussi les versions 720p, 480. Oh, c'est nouveau, ça. D'accord. Bon, en gros, voilà, l'idée c'est comment?
De toute façon, quand on encode des durées fixes, des petites durées sur chaque résolution dont on a besoin. Et comme ça, en fait, c'est pour ça que généralement, je sais pas si vous avez remarqué, quand on regarde une vidéo, notamment sur Netflix, Netflix c'est le plus parlant. Souvent, quand on commence la vidéo, on voit que le logo du début, il est en très mauvaise qualité, pixelisé, etc. Et au bout de quelques secondes, des fois même sur le logo, en fait, le logo devient tout net parce qu'en fait, pour commencer plus vite, il commence par lire la qualité la plus basse parce que c'est plus rapide à récupérer. Et très très vite, il va aller monter à la qualité cible que vous visez. Que ce soit du Full HD si vous payez pas plus, ou du 4K si vous payez à fond. Ouais, non, mais alors là, 160p pour de la vidéo, c'est compliqué. Mais putain, Oh là là, cet après-midi, j'avais pris mon après-midi parce que j'avais des RTT à solder avant la fin du mois, là. Cet après-midi, j'ai regardé, j'ai récupéré. Je m'attendais même pas à ce qu'on trouve encore ça en 2023. Ils appellent ça du BD-RIP. Donc on parle d'un Blu-ray et on fait un RIP. C'est pas du Full HD, c'est pas du 720p ou quoi que ce soit. Non, mais c'est affreux. Enfin, je sais même pas. Déjà, tu laisses tomber tout le texte. Tu pourras rien lire. En 160p, je sais même pas si je suis encore reconnaissable. C'est pour dire. Ah, si, tiens, je peux le faire sur le laptop juste pour voir la rigolade du truc. Oh la vache! Non mais sérieux! Ah ouais, non, non, c'est juste pas possible. Bah, c'est surtout qu'en fait, là, on l'étire à mort. Mais de toute façon, on n'arrive même pas à lire mon nom sur la page YouTube. Je suis en train de regarder ça sur l'écran du laptop, là, qui est du Full HD, du coup, en 14 pouces. Oh non, c'est... On voit encore le stylus de la vignette, parce que bon, voilà, mais non, c'est juste affreux. Non, par contre, c'est bizarre, là, sur le laptop, il m'avait mis en 720p. Je comprends mieux pourquoi c'était flou. Ok. Bah, le son, ça me surprend pas que ça reste nickel, parce que pour le coup, le son, c'est tellement léger par rapport à... Là, le son, je sais plus quelle qualité je mets pour le son, mais honnêtement... je mets quoi? C'est du 48 kHz en stéréo. Comme j'en vois en H264, c'est soit de la AC, soit du MP3. Et ça doit envoyer du 128 kilobits, 128 ou 256, mais bon. Ouais, clairement, si c'est pas pour regarder, mais juste pour avoir pour avoir un volume en fond, c'est... Mais j'ai remarqué, sur YouTube par exemple, on peut faire ça aussi. Sur YouTube, on peut descendre aux 144p, je crois, un truc comme ça. C'est pareil, c'est complètement con. Mais là, par contre, sur YouTube, il baisse la qualité audio aussi. Comment on peut... Parce qu'en fait, alors, ça, on le verra pas via le lecteur, mais si on... Comment? Si on regarde les... Comment? Les différentes qualités disponibles pour... Ah, raté. Ça va mouliner un petit peu. Voilà, quand on regarde les qualités disponibles, en fait, même pour l'audio, donc là, l'audio only, on voit qu'il y a différentes qualités pour le M4A, donc qui est la partie audio du MP4. Il y a du 116 kbps pour le WebM, mais là, c'est de l'Opus. Donc ça, honnêtement, par rapport au M4A, c'est à peu près la même qualité, hein. Mais il propose aussi du 49K. Et donc, sur le lecteur de YouTube, quand on met en 144p, il va prendre aussi le 49K pour l'audio. Et ça, on n'a pas le contrôle sur le lecteur. Donc, du coup, quand on réduit la qualité sur YouTube, quand on réduit la qualité vidéo, ça réduit la qualité audio aussi. Bon, là, on est dans un contexte de. Comment? On est dans un contexte de vidéo à la demande. Donc sur le live, je ne sais. Sur le live, pendant qu'on est en live, je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais comment?
Et voilà, sur de la vidéo, sur de la vidéo classique, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on n'a pas le contrôle là-dessus. Je pense que Twitch, ils se sont pas emmerdés, il y a juste la vidéo qui est retraitée, le son n'a pas besoin d'être claqué au sol. Alors on pourrait essayer, tiens, attends, on va tester un truc. On va voir ce que propose Twitch. Bah, c'est tout dans le même flux, comme ça c'est fait. C'est tout dans le même flux, sachant que le 720 et le 1080p, donc en mode source, donc le source, c'est on prend direct ce que moi j'envoie. Mais tiens donc. Mais ça, c'est le V-Codec, d'accord. Donc le M4A. On voit que le son, c'est la même qualité partout en fait. Il prend 160K en M4A, en MP4A, et voilà. Il s'emmerde pas. Il y a carrément un mode audio only là. Je savais même pas que c'était faisable ça. Alors, tu vois, tu dis ouais, si t'as pas besoin de la vidéo et que tu te mets. Si t'as pas besoin de la vidéo et que tu te mets de. Tu peux faire encore moins de bandes passantes. Tu te mets carrément le. Comment, tu te mets carrément la version audio only. Je sais même pas. Mais c'est faisable ça? Attends. Ça va être dans avancé peut-être? Latence basse, mini lecteur, statistique, non? Statistique de la vidéo, ça je les ai de mon côté, problème de lecture. Si je mets en qualité. Non, qualité de la vidéo, je n'ai pas l'option pour la couper. On a les événements, on a quoi? Prévenir des changements de piste en mode studio, non, ça on s'en fout. Non, après c'est problème de lecture. Non, non, bah non, c'est. Donc je ne sais pas comment. Enfin, c'est rigolo, ouais. Quand on regarde sur via. Alors, c'est pas YouTube DL tout court, c'est YTDLP, c'est le fork. Mais on a l'option audio only. Voilà. C'est. Pourquoi pas? Alors du coup, techniquement, alors, sur YouTube, on peut pas le faire non plus avec le lecteur original, mais si on. Comment? En passant par YTDLP, on peut récupérer que l'audio d'une vidéo. C'est faisable. Donc si vous avez si vous avez une playlist d'un album qui vous plaît, alors faut pas être regardant sur la qualité, hein, parce qu'honnêtement, même avec le Opus en 116K, faut pas s'attendre à des miracles hein, en termes de qualité audio. Ça reste écoutable, mais pour peu qu'on ait un casque d'une certaine qualité, voire au-dessus de ça, parce que bon, ça c'est encore un casque gaming, pas non plus le truc le plus sympatoche pour la partie audio. En tout cas, la partie musique, s'entend, optimisée pour les jeux. On est mieux de récupérer l'audio d'une autre façon, parce que franchement. Le M4A en 128K, c'est à peine au-dessus du MP3, hein, et le MP3, c'était pas en dessous de 256 kilobits, le MP3, c'est vraiment dégueu à écouter, en fait. On s'en rend pas compte, mais dès qu'on commence à avoir des écouteurs un peu de qualité, et même avec ce casque-là, on sent la différence. Ou même avec des intranets un peu. Des intras un peu récents, un peu punchy, des JBL ou des trucs comme ça. On se rend compte de la différence de qualité audio assez rapidement. J'ai eu l'occasion de comparer des. J'achète quelques. Alors ça fait longtemps que j'ai rien acheté en termes de musique. Mais je vais sur Bandcamp. Et sur Bandcamp, quand vous achetez un album en. Je sais pas. On a un groupe que j'aime bien. Hop, Persona. Un groupe de métal d'origine tunisienne. Qui font de la musique très sympathique. Donc quand on achète leurs albums, on a à la fois accès au MP3 et au FLAC. Donc le FLAC, c'est Free Lossless Audio Codec. Donc lossless étant sans perte. Le MP3 nettoyant des choses dans le contenu pour réduire la taille du fichier audio. De compresser encore derrière ce qui reste.
Alors forcément, hein, il y a une différence de taille, mais même le MP3, il est fourni en très haute qualité. Je crois qu'on parle de 320 kbps, un truc comme ça. Et ben, quand on a du bon matériel audio, on entend encore la différence entre le FLAC et le MP3. Mais entre du MP3 320 et du MP3 256 ou 128, la différence, par contre, elle est assez flagrante, hein, en termes de qualité. Et le problème, c'est qu'historiquement, le MP3 a tendance à aller couper dans les basses. Pour peu qu'on y soit un peu sensible là-dedans, ou qu'on ait les oreilles vieillissantes sur le sujet, ou c'est que ce qui reste, on entend très vite la différence, parce que ça. Parce que c'est ce qui nous manque, en fait. Enfin, ce qui manque, c'est ce qu'on entend, ce qui nous reste à entendre. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà. Alors, en parlant de musique, sachant que j'en ai acheté beaucoup et que j'écoute pas forcément un genre typiquement via navigateur ou etc. Parce qu'en gros, même je crois que sur mobile, en fait, Bandcamp propose une application qui peut permettre de faire on va dire un Spotify-like, par exemple. Donc on peut écouter le contenu de sa bibliothèque, mais comme la plupart des albums aussi qui sont mis à disposition, enfin, qui sont publiés par les artistes, on a un certain nombre d'écoutes gratuites avant d'être poussé à l'achat si vraiment on repasse plusieurs fois sur le même album. Mais du coup, l'application permet de faire ça. On n'a pas trop ça, parce que sur le truc de bureau, voilà, vous avez juste la playlist qui est là, le lecteur il est minimaliste, vous êtes sur la page de l'album. Ça se limite un peu à ça. Et donc, dans la partie des trucs à auto-héberger, pour revenir un petit peu sur, j'avais vu passer. Hop, 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 il est où? Il est où? Il est où? Navidrome. Voilà. Navidrome, donc c'est une application. Alors, pitié, non. C'est une application qui permet de se faire son propre Spotify, entre guillemets, mais à partir de sa bibliothèque vidéo. Donc ça peut être. J'ai dit quoi, vidéo? Bravo Sébastien. Bibliothèque audio, pardon. Voilà. Donc du coup. Et apparemment, c'est. Il me semble que moi j'avais déjà vu ça à l'origine. Un outil qui s'appelle Subsonic. Voilà. Ça, j'avais vu il y a très longtemps. Donc je sais pas trop. Alors, soit je passe par Subsonic, soit je passe par Navidrome. Je sais pas encore trop. Voilà. Et pareil, c'est le truc. Même si je suis pas fan, hein, honnêtement, pour écouter la musique, même sur mon téléphone, je vais avoir tendance à mettre le. Comment? Les fichiers en local sur le téléphone. J'ai un stockage grotesque, je crois, de 256 Go sur le téléphone. Autant dire que bon, si j'ai envie de mettre 80 Go de musique dessus, ce qui est à peu près le volume total de ma bibliothèque actuellement. Bon, ça se fait. On va dire que ça se fait sans problème. Donc j'ai pas trop besoin d'aller m'amuser à faire du streaming, d'aller consommer de la data de mon téléphone mobile sur des réseaux qui sont pas stables pour utiliser ça, mais ça peut être intéressant. Comme de toute façon, ça servira pas en stream parce que bah, musique, copyright, tout ça, tout ça. Encore moins sur des vidéos à la demande, du coup. C'est pour ça que là, la musique que vous entendez en fond, c'est la playlist session de Riot Games, qui a publié sur YouTube des vidéos libres de droit pour justement avoir de la musique en fond sans avoir à payer de quoi. Enfin, c'est surtout sans avoir à se faire bloquer quoi que ce soit. C'est même pas une question de payer, on pourrait payer qu'on se ferait quand même dégommer, donc. Mais ouais, c'est. Voilà. Donc.
Oui, en plus, enfin, il est présenté comme étant quelque chose de léger. Donc, ça va faire partie des choses que je testerai à un moment donné, je pense. Après, c'est vrai qu'à partir du moment où si on n'a pas la musique pour pouvoir le tester en live, je sais pas trop. Ouf. Ah. Ah oui, mais ça c'est gênant parce que moi je fais que ça. Je fais que de la gestion par dossier. Bon, dommage. Bon, tant pis. Mais enfin bon, voilà, c'est quelque chose. Ça fait partie des choses que je testerai. J'ai vu ça aussi, WeTransfer. Alors, WeTransfer, donc c'est un système qui permet vous uploader un fichier. Vous uploadez un fichier, ça vous donne un lien, vous le partagez, c'est valable 1, 2, jusqu'à 5 jours ou 7 jours, je crois, quand on paye pas. Ça peut être protégé par mot de passe, vous pouvez limiter le nombre de téléchargements, etc. Donc c'est pratique quand vous voulez partager quelque chose d'un peu volumineux, mais... mais pas qui passe pas par mail. Vous voyez qu'on peut envoyer des fichiers jusqu'à 2 gigas. Donc si vous voulez envoyer des trucs un peu énervés, voilà, à quelqu'un, que vous n'avez pas déjà de votre Nextcloud, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Donc Nextcloud peut permettre de partager un fichier comme ça. À part que il faudrait vérifier, mais je crois que Nextcloud, à la base, c'est vraiment orienté, vous partagez des fichiers qui sont sur votre stockage. Pas trop fait pour du partage temporaire. Mais vous passez quand même par un service qui utilise du CloudFront, donc a priori potentiellement derrière c'est sur AWS, vous savez pas trop où c'est stocké, vous savez pas trop la sécurité de ce que. Voilà, vous n'êtes pas sûr que quelqu'un va pas aller lire votre fichier. Et ça, bon. Le fait que ce soit sur AWS, c'est une chose. Hein. Ce serait une entreprise française, ce serait la même question. L'idée, c'est que voilà, normalement, faut pas, faut éviter ce genre de service. Vraiment, si vous voulez vous assurer que quelqu'un n'aille pas lire le contenu que vous leur passez pour le transfert. Donc du coup, il y a Pingvin Share. Voilà, qui est là. Qui se propose de faire la même, c'est-à-dire que vous poussez un fichier, vous lui donnez les informations que vous voulez. Bon, là, il nous dit unlimited file size, mais ça. Comment dire? Voilà. Alors, par contre, je vois intégration avec Clamav pour les scans de sécu, donc ça veut dire que. On a ce que je disais tout à l'heure. Les fichiers qu'on lui passe ne sont pas stockés chiffrés. Et j'ai oublié le nom. Je me souviens d'avoir eu à tester un projet qui permettait d'avoir le fichier directement stocké, directement chiffré, un peu comme le fait Mega. Mega, c'est chiffré serveur, vous avez le tag dans l'URL, vous avez la clé de chiffrement dans l'URL, etc. Donc en gros, c'est stocké chiffré sur les serveurs de Mega, ils peuvent pas les lire. Mega, c'est un service qui a été monté par. Alors même si c'est fait jarter depuis, mais par Kim.com, à qui on devait Mega Upload, pour ceux qui ont un peu de bouteille. Bon, Mega Upload avait absolument rien de sécurisé, etc. Il y avait juste la performance et la facilité d'utilisation, notamment pour des contenus pas très légaux. Mais Mega voilà, existe encore à l'heure actuelle, mais est-ce que c'est toujours en .co.nz ou ça a changé ça? C'est .io maintenant. D'accord. Ok. Putain, ça clignote fort. Hein.
Ah, ouh, la jolie animation. Oh, avec le petit. Le petit. Ça, c'est pour les nostalgiques, ça, le petit logo. Très bonne veine, méga upload, là, hein, ce truc-là. Donc voilà. Mais bon, bref. Donc tout ça pour dire, normalement, il y a une alternative. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est pas Girafo ou un truc comme ça? Girafo. Partager des fichiers, voilà, c'est ça. Ouais. Alors, est-ce que c'est celui-là où il y a du... tac, 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 lien officiel. Oula, il n'y a plus l'air d'avoir beaucoup d'activité sur le... Ouais, ça fait un an qu'il n'y a pas eu d'activité, en tout cas sur la branche master. Ok. On va cliquer sur les commits. Ouais. Et alors, je me souviens plus si c'était... Optional data encryption. Ah, voilà, c'est ça que je voulais. Du coup, security, security, machin, all files and leaks. Donc ouais, non, ça, on s'en fout. Ça, c'est un URL deny. Voilà, server side. Non, alors attends, data encryption can be executed. Ok, make the server encrypt data and send the decrypt key to the user. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, donc là, c'est quand même le serveur qui chiffre le fichier quand on lui envoie, mais par contre, la clé n'est pas stockée. Waouh. Ok. C'est pas le meilleur des designs du monde, mais pourquoi pas. Ça... Je me... Ok, donc là, on a une issue. D'accord, ok. Ouais, c'est ça que je pensais. Donc, en fait, la meilleure des sécurités... serait que le fichier soit chiffré côté client avec une clé avant d'être envoyé au serveur. Comme ça, le serveur n'a vraiment absolument aucune connaissance à aucun moment de la clé qui permet de déchiffrer le contenu. Bon, après, il faut quand même qu'on partage la clé au destinataire, mais voilà. Alors, j'adore, ça parle de issue 10, et puis en fait, là, il n'y a pas les issues d'ouverte. Bon. Ok, donc je sais pas si c'est encore ultra... ultra maintenu, c'est un peu dommage. Ok, girafe... Ok, le gna.org n'existe même plus. Et les O2, c'est pour Debian 10, Nginx, PHP, FPM, d'accord. Enfin voilà, si pour le coup, si Pingvin ne permet pas de faire ça. Parce que bon, le coup de l'antivirus, vous pouvez le faire que si le fichier n'est pas chiffré avant d'être envoyé. Hein, parce que si le fichier il est chiffré et que l'antivirus est chiffré, alors déjà pour le. Enfin, que le virus est chiffré, déjà pour le voir. Dans le fichier de base, même ça, c'est loin d'être une garantie que ça va fonctionner comme il faut. Donc, oh, puis c'est encore du Docker Compose. Oh. Ou alors avec du Node.js, avec du PM2. Oh. Oh mon Dieu. Ça, c'est le genre de projet qu'on pourrait utiliser comme base pour montrer justement comment containériser une application ou surtout comment préparer un déploiement dans Kubernetes, tout simplement, à partir de ce qui existe, c'est-à-dire le Docker Compose. Vous avez ça, comment vous prenez ça pour le transformer en déploiement Kubernetes? Sachant que ça peut être plus ou moins manuel, plus ou moins... Voilà.
Ou alors justement, l'idée, c'est de se dire comment on fait pour l'exécuter ou le déployer sans Kubernetes. Bon là, je vois qu'il donne quand même les sans Docker. Je vois qu'il donne quand même les informations. On va faire un git clone ou un git checkout, machin, etc. On voit qu'on peut faire du npm install, du run build, machin, et c'est utilise PM2 pour bosser. Faut savoir que PM2 permet entre autres de créer des fichiers de service système qui vous permettent du coup d'avoir un service résident. Donc ce soit systemd. Qu'est-ce qu'il propose encore? À l'époque j'avais le choix, je pouvais créer un script init pour les init classiques. Le système V, le système 5, pardon, ou même. C'est quoi, c'est OpenRC? Je sais plus comment il s'appelle. Je crois que ça marche comme ça. Et du système D, évidemment, parce que système D, c'est le plus utilisé, je pense, notamment dans l'univers Linux. C'est au moins 6 dernières années, facile. Si c'est pas plus. Donc ouais. Donc c'est faisable aussi, éventuellement. Je sais même plus comment on fait. C'est dans la doc de PM2, ça, je crois. Je cherche la doc, merci. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oula. Oula, on se calme. Ah oui, non, mais là, on est parti sur des trucs un peu trop énervés. Je peux faire. Oui. Ah, bah voilà. C'est ça. On fait un PM2, startup, et puis on met genre systemd, et puis coucou, voilà, c'est réglé, on n'en parle plus. Ça. C'est ça, OpenRC, c'est ça que je pensais. Et ça supporte même encore Upstart, qui est l'ancien système de démarrage maison de Ubuntu. Quand ils avaient décidé de laisser tomber le système 5 pur. Ils voulaient paralléliser un peu le truc, donc ils étaient partis dans leur coin avec Upstart pendant que les autres commençaient à utiliser systemd. Voilà. Puis du coup, au final, maintenant, ils sont aussi systemd comme tous les autres. Donc ouais, voilà. Du coup, j'ai pas l'impression qu'on ait. C'est pas marqué en fonctionnalité hein, qu'on puisse chiffrer le contenu. Hein. C'est pas. Bon, ça peut être intéressant à traiter. Du coup, on cause. Quelle heure il est? Il est 22h30. Ouais, honnêtement, je pense qu'on va pas installer drone ce soir. Clairement, je suis pas motivé pour ça. Oui, il y a Home Assistant aussi. Clairement, je mettrai les mains dedans à un moment donné. Ça va demander un peu de boulot, un peu de matos surtout. Parce que, comme je dis, l'idée, c'est de pouvoir. J'aimerais faire plusieurs choses. D'abord, alors pas trop du contrôle, mais de la collecte d'informations. Donc,
Donc, on pourrait faire ça avec des outils de monitoring un peu plus classiques ou un peu plus bricolés. Mais comment? Home Assistant, c'est quoi ça? Nouvelle note. Hop. Va y avoir du monitoring de consommation, va y avoir. C'est quoi? On a l'installation. Il faudra un peu de matériel, mais voilà. L'idée, ça va être quoi? Ça va être surveillance de la consommation, notamment de ce que j'ai sous la télé. Peut-être. Mince. Désolé. Peut-être du gros PC aussi. Comment? Voilà, parce que il va tirer son petit wattage, le gaillard, quand il va bosser, donc ce serait intéressant à voir. Après, il y a quoi aussi? Il faut absolument que je m'équipe en capteur de CO2. Donc ça, a priori, j'en ai vu certains qui seraient pas mal à pouvoir utiliser en Zigbee, notamment. L'idée, c'est de passer... Ouais. Le capteur de CO2, j'en discutais avec un collègue de boulot, Kianouche, avant-hier. Et lui, il m'a montré les siens et on voit les périodes où il est dans la pièce, machin, etc. Et c'est assez rigolo, et comme moi je fais beaucoup de télétravail, je suis pas dans une grande pièce, alors même si j'ai le Velux qui est ouvert en permanence, enfin, en permanence. Aujourd'hui, c'était faisable, parce qu'il pleuvait pas et qu'il faisait que 23. Les jours où il fait 32... De quoi? As-tu parlé de ces pignons? Ces pignons, c'est-à-dire. Alors, ça doit être pigeon, du coup. Tu voulais écrire, peut-être. Ouais, alors, si t'es sur ton téléphone, vu la taille du clavier, honnêtement, hein, heureusement qu'on a sur les claviers de téléphone, sur la plupart des applications de clavier de téléphone. Ah, t'es sur l'ordi en plus! Ah oui, donc vraiment aucune. D'accord, aucune excuse. Non, on n'a pas parlé d'oiseaux, mais. Non, non, là, on parlait de Home Assistant. Donc ça permet de... On l'a vu, enfin il m'a montré, il s'est amusé à allumer la clim, à me montrer comment il faisait pour démarrer la clim dans sa chambre et vérifier les différents capteurs de température dans la chambre pour voir s'il arrivait bien à voir le fait que la température commençait à baisser. Donc voilà, va y avoir ces choses-là, va y avoir hein, donc d'abord de la collecte d'informations avant de se dire qu'on va brancher des trucs qu'on va contrôler vraiment. Clairement, j'ai pas trop besoin de contrôler des choses actuellement. Principalement parce que je suis pas. Comme c'est pas. Il y a des choses qui sont faisables sur des prises à brancher automatiquement dans le mur, sur des petits trucs qui se branchent entre la prise murale et une multiprise ou carrément un bloc d'Aline directement. Vous avez des choses qui permettent de se. Des contacteurs que vous pouvez mettre derrière des interrupteurs classiques que vous mettez sur le celui qui est là. Attendez, hop, je vais faire ça. Transition. Là, vous voyez ce bouton-là, là, alors, à une époque, je ne sais pas si c'est encore faisable, on pouvait acheter des modules qu'on pouvait foutre derrière ces boutons-là. Sous réserve qu'on ait la place dans le mur qui est derrière, pour ensuite raccorder ça à un système de domotique, sans être obligé de changer tout le bouton. Et ça permet de. Ça permet de contrôler sans racheter des boutons tout faits, parce que les boutons tout faits comme ça, souvent, ça coûte cher.
Et ces modules-là coûtent vraiment. Après, maintenant, c'est un peu plus répandu au niveau du matériel. Ah, c'est très rigolo ça. Au niveau du matériel, c'est. Comment? C'est moins. C'est plus répandu, donc c'est moins cher qu'avant. Donc ça se justifie peut-être un peu moins, mais voilà. Après, moi, quand j'avais regardé ces modules-là, c'était il y a. Ouf! Ouais, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. À l'époque, je m'étais intéressé à un système qui s'appelait Domotix. Qui doit exister toujours, d'ailleurs. Alors, visuellement, par contre. C'est toujours c'est toujours quelque chose, hein. C'est visuellement c'est très moche, hein. C'est très fonctionnel mais c'est très moche. Oh puis alors ok. Enfin voilà, c'est. Donc ouais, Home Assistant est quand même plus récent, a l'air d'avoir plus de facilité d'intégration avec d'autres choses. Je me souviens avoir vu. Quand j'étais encore chez ma mère, je réfléchissais à éventuellement faire un setup de contrôler en fait. D'avoir une VMC qui tourne en permanence, vous avez une VMC qui se déclenche en fonction du taux d'humidité. Et donc ça, vous pouvez le faire avec un système de domotique. Il suffit d'avoir le capteur d'humidité slash température. Donc, généralement, ça va ensemble. Vous achetez les deux dans le même package. Et après, vous définissez un scénario. Vous achetez un contacteur qui permet d'allumer la VMC. Vous le branchez sur un contacteur. Vous mettez votre VMC, vous la branchez sur un contacteur que vous raccordez ensuite à votre système de domotique, et après vous faites un scénario qui dit coucou, si l'humidité est supérieure à 70%, pouf pouf déclenche la VMC, et si l'humidité redescend en dessous de 50%, tu la coupes. Je donne des valeurs à la con comme ça, je me souviens plus exactement de ce qu'il fallait envisager, mais voilà. Vous pouvez, plutôt que d'avoir une clim qui tourne tout le temps ou qui tourne pas assez, enfin une clim, une VMC qui tourne pas assez ou qui tourne tout le temps, vous pouvez faire ce genre de choses qui permet, moyennant une petite consommation des capteurs et de Home Assistant lui-même, économiser grandement sur le fonctionnement de votre VMC quand ça ne se justifie pas. Alors quand on a aussi une VMC branchée sur ses toilettes, plutôt qu'elle tourne en permanence, vous pouvez vous dire, vous la déclenchez quand vous détectez que quelqu'un l'allume et vous l'éteignez 10 minutes après avoir que la lumière se soit éteinte. Par exemple. On n'a pas encore de capteur de qualité de l'air pour dire une fois que c'est plus radioactif après que vous y soyez passé. Vous coupez. Mais bon, c'est. Ce genre de choses. Vous avez aussi, alors pour ceux qui ont des systèmes, enfin je sais que j'ai un pote d'enfance, toute sa maison elle répond à Alexa, donc il est tout branché Amazon, et du coup il a des commandes pour déclencher ses volets, ouvrir, allumer ses lumières, éteindre ses lumières. Il a une commande qui s'appelle Bonne Nuit qui fait tout d'un coup, ça descend les stores, ça éteint les lumières, ça. Qu'il a plusieurs trucs comme ça qu'on peut contrôler automatiquement. Par exemple, vous pouvez contrôler l'ouverture et la fermeture de vos volets en fonction de. Soit en fonction de l'heure de la journée, soit en fonction de l'exposition au soleil. L'été, vous voulez pas forcément que le soleil tape en plein sur votre super baie vitrée, parce que du coup, vous allez cuire dans la maison. Et donc, quand le soleil commence à taper dessus, hop, vous tirez les rideaux, mais vous pouvez le faire automatiquement, soit en fonction de l'heure de la journée,
Soit vous avez un capteur qui permet de détecter la luminosité, et si vous dépassez un certain seuil, pouf, vous déclenchez le truc. Donc voilà, c'est. Après, vous pouvez avoir des scénarios un peu plus avancés sur du contrôle de. Après, vous pouvez faire du contrôle. La domotique, on peut faire énormément de choses. L'idée, c'est d'automatiser une partie de ce qui fait d'habitude à la main dans la maison. J'en ai vu se faire des scénarios où les mecs ont leur routine du matin, c'est-à-dire que quand le réveil sonne, la cafetière se met déjà en route pendant qu'ils passent à la douche, comme ça le café est prêt quand ils sortent de la douche. Et ils font tout ça avec de la domotique. Et vous pouvez aussi améliorer ça avec coucou. Oui, bah, de toute façon, trop loin, il faut aussi avoir la cafetière qui va avec, ou alors brancher un appareil au cul de la cafetière pour que ça se passe. Ça se fait pas tout seul non plus. Vive le thé. Mais c'est pareil. C'est pareil, tu pourrais avoir ta bouilloire prête à chauffer quand tu vas te coucher le soir. Avec un contacteur qui va allumer la. Qui du coup va permettre d'allumer la bouilloire. C'est-à-dire que tu mets la bouilloire, tu mets le bouton. Techniquement, il n'y a pas de jus jusqu'à l'heure où c'est censé se déclencher. Donc là, ça va mettre du jus, ça va commencer à chauffer, ça va s'arrêter naturellement. Et puis après, le contacteur peut revenir à un moment donné à son état initial. Donc voilà. Tu peux automatiser une partie de ce truc-là. Tu peux aussi avoir une idée de. Tu veux faire des économies de chauffage? Bon, bah. Alors là, c'est beaucoup plus avancé parce que ça va demander des capteurs de proximité avec des badges RFID, etc. Où du coup, ça va détecter s'il y a quelqu'un dans une pièce pour avoir du chauffage à une certaine température. Donc on peut envisager avoir un contrôle avancé de la température de chaque pièce. Sachant que tu peux. Bah, on recommande d'avoir des températures moins élevées dans les chambres que dans les pièces de vie, genre le salon, etc. Mais du coup, si tu veux vraiment avoir encore un plus gros delta, tu dis ok, bon, bah, dans la journée, s'il n'y a personne dans les chambres, il n'y a pas besoin d'avoir plus de 16 degrés, par exemple. Et soit sur la base d'horaire, soit sur la base de la présence de quelqu'un, tu montes la température à 19, 20 degrés, voire un petit peu plus si t'es vraiment à QG. Et ensuite, à un moment donné, une fois que tu as quitté la pièce, au bout d'un certain temps, tu arrêtes de chauffer parce que ça sert plus à rien, parce qu'il n'y a plus personne dedans. Quand on connaît le coût d'énergie de chauffer une pièce, etc. Alors après, il y a toujours le débat alors entretenir la température d'une pièce, ça consomme moins d'énergie que de rester plus bas et de réchauffer pour arriver à une température. Ça va dépendre du profil d'utilisation des pièces, je pense. Ça peut dépendre de la technologie du chauffage aussi. Donc il n'y a rien d'absolu, hein, comme d'habitude. Mais voilà, il y a des scénarios comme ça qui peuvent être très poussés. Et puis après, bah, y a l'interface elle-même. C'est-à-dire que Home Assistant, par défaut, c'est une grosse interface web. Comment? Mais après, ça c'est un autre truc que j'aimerais bien. C'est un peu. Vu le vieux chauffage que j'ai, c'est pas gagné. Mais moi aussi, c'est des plaques, mais qui sont branchées directement dans le mur. Donc de toute façon, je ferai pas grand-chose sur les radiateurs. Même le. Alors on la voit pas, mais la clim qui est juste au-dessus. Là, bah, du coup, elle est branchée en direct aussi. Donc je pourrais pas faire grand-chose avec. Comment? Surtout que le seul moyen de la paramétrer, c'est une seule télécommande. un peu minimaliste, pour le coup. Et voilà. Et Home Assistant, bah après, derrière, en termes d'interface, vous avez des applications mobiles, vous avez l'interface web, comme j'ai dit. Et il me semble qu'il y a aussi le moyen de le brancher à la voix.
Alors après, je ne sais pas s'il y a moyen de le. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien avoir, c'est un assistant vocal, mais le jour où je déménagerai peut-être. Ouais, bah moi aussi, je me pose la question de faire certains trucs un peu avancés, une fois que je serai idéalement chez moi, un truc que j'aurai à payer, parce que là, je pourrais faire toutes les conneries que je veux, parce que je serai le seul responsable. Mais sinon, je suis bon pour je suis bon pour rester limité dans ce que je vais acheter, dans ce que je vais pouvoir contrôler. Parce que après, il y a des choses où clairement, il y a des choses que j'ai pas forcément envie d'acheter. Déjà, je vais faire très attention. J'ai pas envie de trucs. À partir du moment où on achète un appareil dit connecté. Dans lequel on va se taper tout de suite. Coucou, regardez, vous pouvez le contrôler avec une application mobile. Bon bah ça, 99% du temps, en fait, l'appareil il reste pas en local entre guillemets. C'est-à-dire que vous le branchez chez vous, il va être branché. S'il est branché en Wi-Fi, vous pouvez être certain que le bordel va aller contacter un serveur, on sait pas où. 90% du temps, ça va être en Chine pour que l'application derrière récupère les informations. Ça a absolument aucun intérêt d'avoir des informations qui transitent à l'autre bout de la planète. Pour un truc où vous êtes dans la même pièce. Donc, et pour ça, on a des alternatives. En fait, on peut acheter, il y a des micro-firmwares qui existent pour certaines gammes d'appareils qui permettent de s'assurer que le bordel reste en local. En termes de réseau. Quand on est sur des protocoles Zigbee, bon, bah, eux, par nature, le protocole, lui, il est fait pour rester dans un réseau maillé local. Mais on n'est pas. Enfin, techniquement, les ampoules Philips Hue. Alors, Philips Hue, Philips Hue, a priori, on dit. Alors, elles ont beau être compatibles Zigbee. Il me semble qu'ils ont arrêté de dériver un peu sur le protocole, donc c'est toujours du Zigbee. Je sais plus s'ils ont déjà rajouté. Il y a un nouveau protocole qui est sorti il y a quelques temps qui s'appelle Matter. Qui permet de faire. Alors, je vais repasser sur le desktop là. Hop là. Le comment? Donc ça supporte le Zigbee, mais en fait le problème c'est que les ampoules, le firmware de l'ampoule, parce que c'est des ampoules ultra équipés, qui ont un logiciel intégré et tout le bordel pour être contrôlés, mais les ampoules, elles contactent aussi la maison mère de Philips pour se mettre à jour. On parle d'ampoules pour s'éclairer. Alors je veux bien qu'on mette un poil d'intelligence dedans pour dire de faire des trucs jolis, plus ou moins, voire des trucs avancés, genre en Carowan, Guillaume qui a une télé Philips et qui du coup, donc chez Philips, leur truc sur les télés, c'est l'Ambilight. Je pensais que c'était un gadget et en fait pas du tout. L'Ambilight, c'est vous avez une série de diodes LED derrière l'écran qui va projeter sur le mur une gamme de couleurs qui correspond aux couleurs que vous avez sur les bords de votre image pour étendre entre guillemets l'image. Dit comme ça paraît très gadget. Quand on regarde les démos, quand c'est filmé, c'est pas très impressionnant. Ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Mais en fait, il faut vraiment regarder le film avec la lumière autour pour le voir. Donc les Philips Hue, vous pouvez plugger ce système-là pour avoir une sorte d'Ambilight extended, on va dire. Et donc vous pouvez avoir de la lumière encore plus étalée sur votre mur derrière. Alors évidemment, ça marche mieux sur un mur uni, hein, et de préférence une teinte très claire, limite blanc. Mais vous pouvez avoir une grande partie de votre mur qui est éclairée par les couleurs qui sont autour de l'image. Et ça donne une vraie immersion supplémentaire. Ben, c'est pas utile, c'est pas vital. C'est pas vital, moi j'en ai pas chez moi, ça m'empêche pas. Je l'ai testé en live chez ma mère, du coup, parce que quand elle a changé de télé l'année dernière, j'ai testé l'Ambilight, c'est monstrueux. Rajouter les ampoules encore par-dessus, faut avoir de l'espace. Hein. Faut avoir un grand mur. Là, le mur est pas si grand que ça, mais.
Oui, non, mais c'est. On parle quand même d'une ampoule à 30 balles. Enfin, je trouve ça complètement. 30 euros pour s'éclairer, quoi. Donc, à un moment donné, 30 euros pour s'éclairer et dire qu'on peut l'allumer avec son téléphone. C'est le 21e siècle, hein. C'est. On parle de. Coucou. Il faut qu'on arrête de consommer de l'électricité, il faut qu'on fasse plus attention à la production de déchets électroniques, etc. Voilà. C'est. Mais bon, après, voilà, ça fonctionne, hein, c'est pas. Je peux changer l'ambiance. Oui, non, mais c'est. Mais moi, je mets un variateur sur le mur là derrière moi, à la place du bouton de base, je change déjà d'ambiance, hein. Et j'ai pas spécialement l'intention non plus, malgré tout, de transformer mon salon en boîte de nuit. Donc voilà, donc ouais, Home Assistant, il y a. Puis en plus, il y a des intégrations assez impressionnantes. Celle qui est intéressante, bah, forcément, le protocole Zigbee, avec du MQTT aussi derrière. Ça, c'est de là. C'est les trucs de furieux pour bosser sur. Pour commencer à faire de la domotique avec des éléments divers et variés. Et par contre, ouais, ce qui m'emmerde, c'est que par défaut, on voit Amazon Alexa, Google Assistant. Si on veut faire du contrôle à la voix, bah pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose d'autre. Après, ça, c'est les plus. Voilà, c'est les plus. Mais je sais pas si on a. C'est quoi? Est-ce qu'on a un truc. Voice. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de savoir si on a un système. Là, il parle. C'est ça, je crois. Minecraft. C'est ce truc-là, hein, il me semble. Ouais, mais est-ce que ce truc-là, c'est quelque chose. Là. Voilà, quand ça commence déjà à vendre. À vendre des trucs avant même de dire. Je veux dire, on sait pas ce que c'est, et hop, tout de suite. Payer 400 dollars. Pardon, mais qu'est-ce que c'est? On se calme. Donc, ouais, donc ça parle d'un système modulaire, machin, device 1 pour des voice assistants. Wow. Ok. D'accord. Ça parle d'un Raspi. Ah. Ouais, donc en vrai, on pourrait tenter de brancher ce truc-là, en fait. Alors moi, clairement, ça m'intéresse ce truc-là, mais c'est quoi? Machin. Et en fait, on sait un assistant vocal, donc évidemment, il faut pouvoir le brancher à des trucs. Gna gna gna, ouais. Puis alors après, souvent le. Oula! Alors vous savez quoi? Hop. Allez, c'est quoi? On n'a pas assez de trucs à faire. Alors non, ça c'est très con ça. Hop, c'était ça que je voulais faire. Oui, bah oui, du coup. Hop. Voilà. Celui-là, on va se pencher dessus dans le futur. Je sais pas quand, mais on va se pencher dessus dans le futur. Donc ouais, l'idée c'est que voilà, je vois très facilement la puissance d'un Siri, d'un Google Assistant, dans une moindre mesure d'un Alexa, parce que la plupart du temps c'est pas ce qui va être utilisé sur les téléphones. Mais voilà, vous pouvez avoir Google Assistant pour 50 balles avec votre Google avec un Google Home Mini
le matériel coûte que dalle, vous avez un micro allumé en permanence, ou Google vous écoute, et derrière vous avez un blaireau qui doit aller écouter ce que vous avez dit pendant 24 heures sur 24. Payer 10 centimes de l'heure en Inde. Donc ouais, c'est pas la folie. C'est pas le genre de truc qui m'intéresse le plus. Et je me dis que depuis le temps, on doit quand même maintenant avoir des systèmes d'assistants qui commencent à devenir un peu avancés et qu'on peut héberger nous-mêmes. L'idée, c'est vraiment ça. Alors par contre, est-ce que ce truc-là ne fonctionne qu'en anglais ou est-ce qu'il y a moyen? Ok, donc ça, d'accord. Donc il y a une bibliothèque multilingue. Donc potentiellement, il y a moyen. On a le skill d'intégration pour Home Assistant. Donc il y aurait moyen de fonctionner avec. Alors, Meet the Team, non. Nanana, documentation. Si on fait quoi? Get Minecraft. Download. Donc on a Picroft. Donc là, on a le truc packagé pour un Raspi. Directement avec une image sur carte SD. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, c'est machin. Oula, quoi? Comment ça créer un compte? J'en ai rien à foutre. Je veux pas créer un compte, j'ai pas besoin. Ah oui, donc c'est open source, mais si je dois être branché à quelque chose qui est pas chez moi, ça me plaît pas. Oh! Quel enfer! C'est quoi ce truc encore? Non, mais j'en ai rien à foutre. Alors ça, c'est le get started, mais du coup, est-ce qu'on a... Other documentation. Technology overview. Using Minecraft. Customisation. Configuration manager. Tada! Bon, manifestement. Le STT, donc le speech to text, donc c'est transformer la voix en texte. Il supporte le français. Et le text to speech, donc dans l'autre sens pour qu'il réponde. En français, donc manifestement, pour avoir de la voix en français, il passe par Google aussi. Non, mais pitié, arrêtez de parler des trucs qu'on est censé pouvoir héberger nous-mêmes. S'il faut créer un compte Minecraft et que derrière, ça utilise des trucs de Google, on s'en sort pas. Le but du jeu, c'est d'avoir des trucs qui soient pas dépendants de ces conneries-là. Bon, bah pas Minecraft alors du coup. Ah, ça va très vite, hein. Comment on peut faire? Déplacer vers le carnet? Non, supprime-moi ça. Oh, allez. Donc voilà, donc il va falloir chercher autre chose. Donc ouais, l'idée c'est que si on peut brancher un système de. Voilà. Un système de contrôle vocal, enfin un système d'un assistant vocal sur ce genre de truc, là ça peut être énervé. Alors déjà, si de base on peut découvrir un système d'assistant vocal, moi ça m'intéresse beaucoup cette histoire. Là, quand on voit Voice Assistant, je ne sais pas ce que c'est. Ok, mais Assist, c'est quoi? Ouais, Natural Language, Build Top, Open, machin, Open Voice Foundation, ok, Powered by Knowledge, Provided by HomeKit, d'accord. Alors, machin, Google Assistant, Amazon Alexa, certainement pas. Bon, lui, pour le coup, je sens bien le... Ah! Oh, d'accord. Et là, on a quoi? Turn on, get state, turn off, d'accord, light. Ok, cover, climate, binary sensor, je sais pas trop ce que c'est. D'accord, ok, bon, à voir. Il y en a potentiellement quelques trucs à faire, mais j'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand-chose avec, mais bon, ce serait déjà un début.
Et du coup, oula, c'est très récent. D'accord, c'est très très récent. Ok. Tellement récent qu'a priori, personne l'utilise. Ok. Ok. C'est pas grave. On s'en remettra. Puis ce sera peut-être l'occasion d'essayer de contribuer, on sait jamais, hein, au cas où. Ben voilà, c'est... Un système de messagerie, vous parlez... Non, mais après, il y a des choses... Enfin, voilà, ça... ça va aller avec... ça va aller dans le futur. Donc, il y a de grandes chances que je me mette ça... Maintenant, vraiment, voilà. Les deux usages, dans un premier temps, c'est consommation électrique et qualité de l'air, au sens large. Et une fois que j'aurai ça, déjà, ce sera un bon début. Parce que, mine de rien, on peut avoir, voilà, c'est au niveau des dashboards. Alors, soit vous pouvez avoir visuellement un dashboard, donc c'est avec soit du visuel, soit du contrôle, c'est-à-dire que vous pouvez cliquer sur un truc pour l'allumer, etc. Mais vous pouvez aussi, vous avez toute la partie graphique, en fait, on peut voir l'historique d'un capteur dans le temps. Et ça peut être intéressant à voir. Alors après, pareil, tu vois, on parle de... Tu dis, peut-être quand on aura déménagé. Un des trucs que j'aimerais bien récupérer aussi, c'est la consommation au compteur. Pour ce que je surveillerai pas par moi-même. Le problème de ça, c'est que si techniquement c'est faisable sur les Linky maintenant, parce qu'ils ont des bornes pour pouvoir récupérer les données, qui sont... d'ailleurs, je crois, de mémoire, ça publie une nouvelle valeur toutes les 2 secondes. C'est assez précis. Sur la borne, hein, attention. Sur la borne, le Linky, on peut, voilà, mais c'est du local. À l'heure actuelle, de mémoire, le fournisseur d'électricité récupère les informations une fois par jour en passant par du CPL. Et encore, tous les postes régionaux sont toujours pas équipés en 2023, donc il y a des secteurs où c'est pas possible. C'est beaucoup plus rare maintenant. Je crois qu'on doit être quasiment à la fin de la mise à jour de tout ça. Donc, quel que soit l'endroit où on habite, on peut avoir du relevé à distance et du coup derrière un suivi de consommation qui est fait par son fournisseur. Moi, je sais que par exemple, donc j'étais chez Direct Energy qui était racheté par Total depuis. En fait, tous les mois, ils m'envoient un mail avec le résumé de la consommation par rapport à... Ils me font le comparatif par rapport à l'année dernière. Et du coup, le problème, c'est que moi, bah là, le compteur Linky, il est 2 étages plus bas sur un panneau sur lequel j'ai pas accès, donc je risque pas d'aller brancher un truc. Alors, pour savoir comment on fait, je crois que Nicolas Simon a fait un truc dessus. Si je dis pas de bêtises. Pardon. Oh, voilà. Mais je sais plus si... À moins qu'il ait fait un article dessus. 6 mois de Starlink, puis réparation, bien, archivage de mon script. Hein. Backup headless, je me souviens plus. Alors, à moins qu'il n'en ait pas parlé du tout, hein, c'est possible aussi. Peut-être dans infra. Infra. Non, infra perso, ça va être la liste. Les deux machins avec la connexion Starlink, gna gna gna, film backup, non. Ah, je sais plus. Je sais plus, je sais plus. J'avais lu des trucs dessus, il faudrait que je retrouve, mais voilà. Il y a des modules qui coûtent pas cher à pouvoir brancher, à brancher sur le... Comment? Sur la borne du Linky. Je pense que ça doit se trouver facilement, non?
On s'en fout. Ensuite. Ah oui, non, mais là, faut aller sur Enedis, donc c'est pas ça. Voilà, c'est ça, la fameuse sortie téléinformation client. Donc en fait, sur le Linky, alors souvent par défaut, c'est caché derrière un. Oula, oui, on y va mollo. Comment faire? Fou, c'est un peu énervé ça. De toute façon, il y a des modules tout faits qui existent, hein, mais en fait, sur la photo, voilà. Souvent, en fait, il y a un cache là, à cet endroit-là. En fait, il suffit d'enlever le cache et derrière, vous avez les... on a les bornes qui permettent de se brancher dessus pour pouvoir récupérer les... Comment? Ensuite, derrière, récupérer les infos. Donc, on peut brancher un mini-module... Bah, pourquoi pas en Zigbee, hein, et les récupérer dans Home Assistant. Bon, là, moi, c'est pas faisable parce que je suis pas chez moi, déjà. Et de toute façon, le compteur Linky, comme je dis, il est 2 étages plus bas, c'est juste pas possible. Je pourrais éventuellement l'envisager chez ma mère, par exemple, parce que le compteur Linky il est dans le sous-sol, mais reste quand même le problème du réseau. Sachant que déjà de base, pour l'instant, elle a rien pour collecter un truc de ce genre-là, il faudrait éventuellement que je rajoute un truc sur le Raspi 3 qui me sert de passerelle, mais il faudrait ensuite voilà, avoir un outil, un truc qui puisse communiquer sans fil entre ce qu'on brancherait sur le bornier et sur comment et le machin qui va faire la collecte, et après derrière, bah faut traiter les données. Mais à mon niveau, je trouve que c'est quand même plus pertinent d'aller. C'est intéressant d'aller choper la conso au compteur pour aller vérifier la conso globale et notamment d'appareils sur lesquels on ne peut pas brancher de sonde. Je pense à des trucs qu'on doit brancher en direct sur les tableaux, même si maintenant ça existe, on peut avoir des modules de. Comment? Je crois que ça existe chez Schneider. Vas-y, refuse tout. Produit. Alors, ça va être du résidentiel et logement intelligent connecté. Voilà, c'est ça. Bon, ils proposent leur propre système complet, mais on peut avoir des modules. Voilà. Donc, typiquement, par exemple, on a des trucs comme ça. Et en fait, ça, c'est des trucs que vous mettez sur les tableaux électriques. Bon, là, c'est le contrôleur complet qui serait remplacé pour le coup. Enfin, ça, c'est quelque chose qui remplace un Home Assistant, par exemple. Mais du coup, si on prend pas l'intégralité du matériel en Schneider, voilà, c'est un peu. Et donc, doit y avoir moyen d'avoir des. Comment? Bon là c'est marqué thermostat, mais je pense que à moins que non c'est que ça, il n'y a que les thermostats, mais d'avoir des contacteurs un peu plus génériques dans le même style qu'on met sur les tableaux électriques, et du coup on pourra récupérer la consommation sur ce truc-là. Donc après là bon pour le coup je regarde sur le site de Schneider et bizarrement je trouve pas. Je pense quand même qu'il doit y avoir moyen. Ça va être quoi? Qualité, logement intelligent et connecté, on va retrouver les mêmes. Oui, voilà, on va retrouver les mêmes conneries. Solution logicielle, non. Variateur de vitesse, non. Van actionneur, non.
Comptage supervision, les trucs comme ça. Est-ce que ça va être ce genre de truc? Celui-là, il a un format bizarre, j'ai l'impression que... Ouais, non, ça, c'est pas un truc à mettre sur tableau électrique, c'est un truc à mettre sur une espèce de rail à la place de prise carrée, donc c'est un peu énervé comme système. Donc c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Donc ouais, voilà. Et 23h09, on va arrêter là, hein, je pense, hein. On a beaucoup trop parlé, on a quasiment rien fait. Est-ce que je tenterai? Allez, une petite bricole dernier vraiment, parce que j'ai envie de faire un truc avant de partir. Ouf, je l'ai fermé un peu trop fort. On va se tester l'installation du... Hop. Alors, installation du Python. Est-ce que c'est bien le bon mot de passe? Oui. J'essaierai de retrouver pour la prochaine fois le coup du... Enfin, l'installation du... Bon, ça, c'est faisable. C'est ça, on a du Python 3.10. Et si je cherche Python 3.10 comme ça... Que je fais un... Échou. Python 3.10, 3.10 focal, machin, etc. Il dit que ça vient d'où? Section Python, d'accord. PPA, Dead Snake, parfait. Bah du coup, on va faire ça. Hein. Alors j'ai quoi? J'ai Python 3.10. Python 3.10 Venv. Ah oui, donc on va faire ça. Hein. apt install, puis on va faire ça. Et normalement, on va voir ce qu'il nous dit. Pour installer Python 3.10 V1, il va installer 10 utile, 3.10 minimal, parfait. Bah parfait, hein. C'est exactement ce qu'on veut. Le 3.10 full, on n'en a pas forcément besoin, puisque derrière, on va se... Derrière, on va se faire très fort... On va se faire un VENV tout de suite, donc derrière on n'a pas besoin d'installer de grosses dépendances. On a juste besoin du minimal et puis après ça va dérouler tout le reste. Ok, donc du coup, maintenant si je fais ça, là j'ai 3.10. Alors faut faire un peu gaffe parce que le 3.10 DLL machin etc. c'est parce que j'ai installé Python 3.10. Sur le Windows, j'ai pas une énorme isolation entre les deux du coup, parce qu'on est sur du WSL1. Si je fais un... si je fais ça, ouais. Et là, on est bien sur du Linux, parfait. Donc du coup, je vais faire ça. Je peux enlever ça, on s'en fout. Tiret mvenv, parce que c'est ce qu'on a installé après tout, et point venv slash comment on va l'appeler? 310 test, parce qu'après tout on s'en fout. On va faire ça. Et donc là, si je fais ça, je suis en Python 3.8.10. Maintenant, je fais slash .venv 310 test bin activate. Je refais le même et là je suis en 3.10.13.
Donc voilà, donc là moi j'ai un Python 3.10 qui va me permettre de tester genre type install-i pip, on va faire ça comme ça. Et donc pour installer le TFUI, ok. TFTUI, pardon. Hop. Ah vache. Ça en a installé des dépendances. Ok. Est-ce que j'ai quoi comme... Non. Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai corrigeante? C'est de l'Ansible. Loading host, non. Tatooine. Oups. Oui. Ok. Donc là, il y a un Proxmox VM et un OVH Domain. D'accord, donc il les voit bien. Et donc là, si on fait ça, on a le code qui réapparaît avec toutes les valeurs. Ah, c'est pas dégueu. Ok. Et donc là, on peut directement faire... on peut directement faire la commande préférée d'Adrien, qui est le taint, ici. Oh putain, ça supporte même la souris. Ah ouais, d'accord. Ok. Ok, du coup on a quoi? On peut mettre le dark ou le light mode. Ah la vache. Non, je peux vraiment pas, hein. C'est passé. Il y en a qui reviennent au mode clair comme ça, mais moi je peux juste pas. Hein. C'est clairement. Ok, et donc là si on fait. Ah non, c'est l'état, d'accord. En mode clair, bah. C'est plus ou moins les couleurs de l'installateur Debian par défaut en mode texte. Hein. C'est un peu plus clair, je trouve. Mais c'est un peu. Voilà. Faut pas oublier que c'est que du texte. Hein. C'est du full texte là. Hein. Donc on n'est pas sur du graphique très avancé. Donc on n'a pas non plus 16 millions de couleurs avec lesquelles jouer. Mais honnêtement, voilà, ça fait un peu. Enfin, moi je trouve que ça fait un peu mal aux yeux. J'ai du mal à. Alors après, c'est parce que. Là, on est dans un environnement, j'ai très peu de lumière. J'ai déjà une lumière qui reflash sur le mur, pour histoire que je sois un peu éclairé d'une certaine façon. Même si, bon, pour une lumière qui m'a coûté 20 balles, je suis pas forcément. C'est un peu limité comme qualité de résultat, mais voilà. Et donc là, je fais quitte. Ok, d'accord. Putain, sur des TF state un peu plus énervés, ça doit être sympa comme. Ça doit être sympa comme visuel. Donc ouais, voilà. Donc bon bah ça c'est fait. On a testé avec un. Et on a un Python plus récent, ça c'est cool. Oui, alors après, quand on a tendance à bosser dans des environnements qui sont déjà très lumineux de base. Où on n'a pas forcément une énorme luminosité sur l'écran avec lequel on travaille. Sur des ordinateurs portables, on a des écrans qui sont vraiment, même en mettant la luminosité au max, c'est pas forcément une dinguerie. Ça dépend de la qualité de l'ordinateur, ça dépend de son âge aussi. Et donc du coup, dans ces environnements-là, repasser sur un thème clair, ça peut aider à la lisibilité. Par rapport au thème sombre. Après, voilà. Comme la plupart du temps, je contrôle très fortement déjà l'éclairage de base qu'il y a dans la pièce. Ne serait-ce que parce que, aussi bien le matin que l'après-midi, j'ai le soleil qui peut taper sur l'écran, sur moi, sur le bureau, enfin tout ce que vous voulez, donc forcément je contrôle. Donc j'ai rarement de lumière directe qui m'arrive dans la zone de mes écrans. Du coup, j'ai pas une luminosité de fou, j'ai pas besoin, et du coup, je mets du thème sombre, donc ça évite de me flinguer parce que j'ai pas besoin d'avoir tout en clair. Et je comprends qu'il y a des gens à qui ça plaît pas et qui restent en thème clair par défaut. Il y en a qui avaient commencé à faire du thème sombre un peu partout et qui reviennent au thème clair. J'ai vu il y a quelques jours, c'est Maxence, donc Flemzor sur X, c'est plus Twitter, c'est X,
dit qu'il repassait tout en thème clair, mais encore une fois, c'est à l'appréciation de la fatigue visuelle de chacun. Y en a pour qui la lisibilité sera meilleure avec des thèmes clairs. Si c'est toujours le cas, d'ailleurs, bah Maxence, il a des lunettes, donc ça peut jouer aussi. Donc quand on a déjà une vision qui est... J'aime pas le terme assisté, mais corrigé. Voilà, pardon. Une vision qui est corrigée par quelque chose qui passe entre les deux. Le fait d'utiliser un thème clair, ça fait qu'il y a plus de lumière qui passe à travers. C'est peut-être plus appréciable pour les yeux. Pour l'instant, je touche du singe très fort, j'ai pas besoin de lunettes. Et comme je suis de toute façon quelqu'un qui a les yeux sensibles de manière générale, je vais passer par du thème sombre dès que je peux. Il y a quelques temps, je me suis remis en tête de réfléchir à un nouveau thème pour mon blog, parce que mine de rien, c'est le même thème depuis très longtemps maintenant. Alors je m'en fous parce qu'il est toujours maintenu, donc j'ai pas de problème de compatibilité avec les nouvelles versions de WordPress, mais quand même. Et je me suis posé la question, est-ce que je conçois un thème sombre pour mon blog la prochaine fois? Bon, le fait est que moi-même, je le lis pas tant que ça. Par écrire, je lis pas, donc enfin, très peu. Même si je rigole toujours de me dire, hey, au fait, je fais une recherche Google parce que je cherche un truc et je me rends compte que j'ai écrit dessus il y a 6 ans. Parce que je tombe dans les 3 premiers résultats, je sais pas comment ou pourquoi, j'ai jamais fait quoi que ce soit pour que Google me référence comme ça, mais ça arrive. Trop parler sort. Hop. Mais il y a des gens qui me lisent encore un peu de temps en temps et qui potentiellement vous pourrez apprécier d'avoir un thème sombre. Alors surtout que maintenant c'est beaucoup moins bricolo qu'avant. Dans le sens où on peut. Ouais, alors il n'y en a plus beaucoup, hein, mais en même temps, il n'y a plus grand-chose à lire de nouveau, je publie quasiment rien, donc c'est normal. Ouais, pour le support des thèmes sombres, maintenant, c'est intégré dans la plupart des systèmes d'exploitation et ou des environnements de bureau quand on est sous Linux. C'est-à-dire que le thème qu'on utilise est déclaré comme étant un thème sombre. C'est un paramètre qui est exposé aux différentes applications sur le système, dont les navigateurs web, qui derrière peuvent indiquer au site web, coucou, l'ordinateur utilise de base un thème sombre pour son interface. Et du coup, les sites web peuvent choisir de présenter par défaut un thème sombre, qui du coup, en termes de contraste et de rendu visuel, va s'approcher un peu plus de ce qu'ils ont pour le reste du système. Typiquement, moi, mon explorateur de fichiers, il est tout noir. Lancer un site web qui par défaut est tout blanc, bon, c'est pas très grave parce que c'est du web donc je m'en fous un peu, j'ai l'habitude. Mais voyez, on passe d'un truc où on a la majorité de l'écran qui est noir à une page qui est tout blanc. Même vous, à cette heure-ci, ça doit commencer à faire mal aux yeux de faire ce genre de truc. Donc quand on peut avoir un site un site web qui va s'adapter automatiquement à ça, ça fait qu'il va se charger directement dans des teintes qui correspondent en termes de contraste. Et en termes de luminosité, à ce que vous avez sur le reste de l'ordinateur. Vous voyez, c'est un thème sombre dans Sublime, c'est un thème sombre pour Joplin. Vous le voyez pas, mais l'interface d'OBS, elle est en sombre. Alors même si moi, l'interface de Firefox, bah quand on l'ouvre, c'est sombre. Voilà. C'est sombre. Mais bon. Tous les sites web proposent pas ça. Ou alors, c'est pas par défaut, c'est manuel. Donc moi, j'aimerais bien au moins proposer ça. Voilà. D'avoir un système qui propose un thème sombre ou un thème. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'a priori. Putain, ils ont même inversé l'image d'illustration derrière. Ah oui, c'est fort quand même. Donc ouais. Donc j'aimerais bien faire ça. Voilà. Bon, et 23h23, il est beaucoup trop tard. En plus, j'ai pas encore passé ma commande de course pour demain. Oh là là, je suis pas couché tout de suite.
Alors, demain, ça va être la grosse surprise. Est-ce que Chronopost déjà va me livrer tel qu'ils me l'ont dit par SMS tout à l'heure pour mon nouveau PC? Ou est-ce que ils vont me livrer, mais avec des colis qui sont éclatés? Ou est-ce qu'ils vont faire leur boulot correctement? Est-ce que je vais tout recevoir en bon état du premier coup? Je sais pas, j'ai très peur. Honnêtement, déjà, ça m'avait un petit peu, pour ceux qui se souviennent, au niveau du... C'était quoi? Je ne sais plus. J'avais pas fait un... Non. Alors, du coup, ça va être quoi? Tac, 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 c'était ouf. C'était quoi? Alors, ouais, voilà. Ça, c'était surtout ça, moi, qui m'avait fait très peur. C'était le boîtier avec la superbe trace de chaussures de sécurité sur le côté. Ah, celui-là, j'étais pas très content, hein. Je vous cache pas. Ça m'avait fait très peur. Et là, j'ai peur aussi de ce qui peut arriver. Ah, mais quand on revoit les photos, c'est... Ça, c'était le carton avec la carte mère, la RAM et bah, le processeur, du coup, parce que c'était un kit d'upgrade en relais pick-up. Donc, c'était déjà la poste. Voilà comment le carton est arrivé. Pour moi, il manquait la RAM dans le carton et finalement, il y avait quand même tout. Mais ça fait quand même très peur, hein. Ça, c'était arrivé par un transporteur qui avait livré ça à Intermarché, à 8 km de chez moi. Pareil. Pff. Une catastrophe. Et ça, c'était le radiateur. Bon, le fait est que ça, pour le coup, c'était très con. C'est-à-dire que... Non, il est remballé, donc je pourrais pas vous le montrer, mais le carton du radiateur était vraiment, mais peut-être la moitié de ça en largeur. Et grosso modo, c'était un cube, le bordel. Donc ça prenait moins d'un quart de la surface du carton. Donc c'était complètement con de faire un truc de cette taille-là avec autant de cerclage en plastique qui du coup servent à rien hein, parce que là on voit que les trucs sont complètement éclatés puisque le carton il s'est complètement affaissé sur lui-même. Bon, heureusement par contre à l'intérieur le bordel était entier mais voilà on est quand même et ça pour le coup j'ai jamais eu de problème avec Amazon. Encore une fois on critique tout, on critiquera tout ce qu'on veut et le résultat c'est que les mecs ils font le boulot comme il faut. Enfin moi en tout cas j'ai jamais eu de problème. C'est Alors ça a pu être parfois un petit peu bizarre, du style je commence par recevoir un SMS puisque le mec dit j'appelle à l'aide, je sais pas où livrer, puis au final, comme c'est une enveloppe, il voit la boîte aux lettres, du coup il met dans la boîte aux lettres. Mais il a commencé par appeler à l'aide au départ. Donc c'est un peu tendu, mais bon, il y a quand même une fois où j'ai vu l'enveloppe dans la boîte aux lettres, le truc il l'avait foutu en travers juste pour que ça tienne, mais du coup n'importe qui pouvait se servir. C'était pas ouf non plus, j'ai pas la meilleure boîte aux lettres du monde, mais voilà. Donc ouais, du coup, bah bon, je referai pas une série de cas d'articles, je pense, pour le PC. Alors déjà parce que j'ai pas mis 6 mois pour acheter, mais là j'ai passé tout d'un coup. C'est-à-dire que ce que j'ai montré tout à l'heure, hein, j'ai fait config-o-matic, le config-o-matic, j'ai chargé la config que j'avais enregistrée, j'ai cliqué sur ajouter au panier, et puis après j'ai cliqué sur passer la commande. J'ai rajouté le code promo, j'ai gagné 110 balles, et puis voilà. Je pouvais pas faire livrer autrement parce que le boîtier est considéré comme trop gros et ou trop lourd pour le chrono relais. Donc manifestement, voilà, le chrono relais, c'est des fragiles. Faut croire. Parce que bon, le boîtier, c'est quoi comme boîtier que j'ai pris? Certes, c'est ça, mais... Fiche technique. Tac, tac, tac. Bon, certes, c'est pas le colis le plus petit du monde. 13 kilos, c'est pas la mer à boire, hein, quand on fait du transport de colis. Je considère pas ça comme quelque chose de... Comment? De lourd. J'ai fait magasiner pendant 5 ans. J'en ai porté des trucs plus lourds. Hein. C'est pas. Voilà. Donc bon.
Donc voilà, normalement ça arrive demain. Je sais pas si je vais pouvoir commencer à l'assembler tout de suite. Bon, le problème c'est que le SSD, du coup, il va arriver début de semaine prochaine. On va voir comment ça se passe. On va voir comment ça se passe. Et avec un peu de chance, bah, vendredi prochain, on stream sur. On streamera sur le nouveau PC. Qui du coup voilà, a coûté 2 000 $, mais pas pour rien. Entre le Prosso qui est particulièrement bumpé, la carte graphique, j'en parle même pas. Ça devrait se. Voilà, on va se mettre bien, on va le dire comme ça. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vais essayer de pas prendre un mois pour mettre le replay sur YouTube pour ceux qui voudront rattraper au-delà d'une semaine. Déjà parce que ça a pas planté, donc ça c'est cool. Et du coup, donc on se dit à la semaine prochaine. Je sais pas encore quoi faire. Si, je vais arrêter de dire des conneries. La semaine prochaine, on fait du drone. Voilà, il me faut, je veux avoir mon intégration continue pour mes projets. Surtout qu'entre-temps, en plus, Pierre-Marie m'a filé la méthode pour pouvoir builder ses images directement sur le K3S, donc avec du ARM, parce que ça, c'était un des prérequis que j'avais. Et dans une image, dans un pod qui tourne sur le cluster. Donc voilà, j'ai toute la méthode. Donc on fera le setup proprement de l'image qui va servir, enfin de drone, de l'image qui va servir, etc. Avec un peu de chance, on aura de quoi builder une image à partir d'un projet directement. Si on arrive à faire ça en 2 heures, ce sera pas mal. J'avoue. Donc voilà. Sur ce, bon week-end à vous. Et au plus tard, à vendredi prochain, pour ceux que je verrai pas ailleurs. Physiquement, sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, ciao ciao!